Ah ouais, je nous ai vus en direct. Ça fonctionne ou pas? Là, il y a écrit live sur YouTube. Ouais, normalement, hein, je pense que ça fonctionne. Attends, Attends. on va voir s'il y a des gens qui nous voient qui disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces deux? Moi, c'est écrit en attente, Je vois. toujours, sur YouTube. Non, moi, je pense que ça va. Hein. Il faut juste aller sur la chaîne et je pense que c'est bon. Ouais, Ah si, on est en direct, là. Attends, je vais aller sur la chaîne, du coup, pour suivre les questions, parce que... Je vois pas le direct, hein. Le seul problème, c'est que... C'est quoi le Ah problème? ben, je me suis... J'entends ma voix, c'est toi? C'est chez toi? Non. C'est pas chez moi. Moi, je vois rien en fait. Ça, c'est toujours pas en direct. Ah, ah non. 223 euros, c'est Non. la Ouh somme là que là. vous perdez chaque jour en n'investissant pas dans l'immobilier. C'est pas ça. Il y a 5 visionnages en cours. Ah bah super. Bonsoir tout le monde. On va attendre que ça monte. Mais sauf que moi, je vois pas les questions. Enfin, je vois rien. Du coup, faudrait que tu les lises au fur et à mesure quand il y en aura peut-être. J'arrive pas à me connecter en direct. C'est bizarre. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est... Voilà, là on est en direct, c'est bon. Ah si, je nous vois, Maintenant, c'est bon. Nickel. voilà, je vais lire les questions à chaque fois qu'on en a, si tu veux. Je vais lire ça depuis mon smartphone. Donc, C'est bon, je vois, voilà, ça donc fonctionne. salut. Il y a Karim qui dit salut. Il Ça fonctionne, ouais. y a Karim qui dit ça fonctionne. Ouais, Il y a c'est ce que Elias j'ai qui dit dit. bonsoir à tous. Il y a Natu qui dit bonsoir. Voilà, donc il y a quelques personnes. Le temps Super. que d'autres personnes viennent, ce que je fais d'habitude, c'est d'aller partager encore le lien sur les réseaux sociaux comme quoi on est bel et bien là. Vas-y, je t'en prie. Et. Voilà, juste quelques minutes, je vais juste partager. Et après, on attend juste qu'on soit au moins 10. Là, on est 8. C'est allé, tu vois, ça monte un Ailleurs, peu. deux personnes et c'est bon. Donc, je vais partager rapidement. En fait, je suis en train de mettre en place une équipe où quelqu'un, déjà, va se charger de partager à chaque fois pour que je ne sois pas celui qui fasse tout en même temps. Ça viendra, ça viendra. Voilà, donc. Mohamed qui dit bonsoir Nathanaël, un réel plaisir. Bonsoir Mohamed, et nous aussi on a le plaisir de te recevoir aujourd'hui ici. Et voilà, 9 personnes en direct, donc. Plus Non, que une. on met là-bas à 20 personnes, on met là-bas à 20 Ouais, personnes. vas-y, Et 20 personnes. ce qu'on va faire, c'est que ceux qui sont présents, si vous voulez que le live ait lieu, vous devez partager sur Facebook, sur vos réseaux sociaux. Comme ça, quand on est à 20 personnes, on commence. Si on n'a pas 20 personnes, nous, on ne dit rien. Et Laura, elle ne dira rien du tout toute la soirée. Donc, partagez le live. Si vous voulez que l'événement ait lieu, vous partagez le live. Comme ça, quand on sera à 20 personnes, bah, on commence. Sinon, Laura, elle va rien vous dévoiler du tout. J'ai partagé le live. Merci Nature d'avoir partagé le live. Super. Elias, on t'attend, tu partages. Mohamed, s'il vous plaît. Donc, il faut qu'on soit 20 avant de commencer. Ça va le faire, ça va le Moi faire. aussi, je partage en même temps. Mais je sais pas comment faire pour partager. Moi, je peux faire Alors, partager où? moi, je suis obligé d'aller de copier le lien et de le faire. Je pense que, je vois, je ne sais pas, normalement, À partager, oui. sur ton téléphone, je pense que Ouais, tu t'as peux raison. partager. Ouais, je vais le faire. Partager. Que sur Facebook, à mon avis. Ah, ou en Oh, direct bon. sur Insta? Oui, normalement, je pense, non. Attends, je vais voir. Je vais le partager sur Facebook et ah ouais, attends, je vais le partager du coup. C'est bien, finalement, Zoom, il est bien, hein, il est C'est pas trop mal. bien. Je partage comme ça fera venir du monde.
Je vais faire Facebook et Insta. Ah, c'est trop bien. Allez, en fait, moi, ce que je fais, c'est de copier une, d'écrire une fois, de copier et après de, tu vois, même sur Facebook, avec le lien que j'ai copié, tu es directement en avant. Ah ouais? Donc, ça, ah là, ouais, directement dans les groupes. Je t'ai tagué, tu vas voir. Normalement, tu reçois une notification. Et donc, pour le moment, souffrez que je fasse ça moi-même, ok? Par contre, sur bientôt, Insta, il y aura une personne qui va s'en occuper. Pardon? Je ne peux pas partager sur Instagram, je peux que le faire sur Facebook. Ah là là, c'est... bon, c'est pas grave. Au pire, tu copies le lien si tu veux, mais bon, de toute façon, là, j'ai communiqué dessus, donc voilà, on aura quelques personnes. Oui. Après, on aura une vidéo en ligne, les gens pourront venir voir. Voilà. Par contre, toi, mais toi, tu n'as pas Insta. T'as que, fait, t'as que Facebook. J'ai Insta, mais je ne développe pas. Ah, ok. C'est pas grave. Je vais juste regarder sur Facebook si... Tac, tac, tac. Watch. Il y a Ebenezer qui dit « Je vous reçois 5-6-5. » Ebenezer, ouais. En fait, le live commence seulement si on a 20 personnes. Donc, aide-nous à ramener du monde. Partage l'événement et voilà. Ouh là là, je ne sais pas si... Elias, avez... c'est pareil, on commence le live dans... Dès qu'on a 20 personnes. Là, on est à 10, donc... challenge, 20 personnes, donc... bon. On attend un petit peu, il est 19h12. Après, 19h12, ah, c'est bon, voilà, moi, c'est en direct. Mais je ne sais pas si c'est vraiment en on direct. En direct. Hein. J'ai mis, ça a partagé quelque chose sur mon mur, mais je ne sais pas si les gens ils le voient en direct en fait ou ça, non, ça non, renvoie non, vers non, le lien. Si tu mets... Ça renvoie vers ça le renvoie lien. Ça renvoie vers le lien automatiquement. Exact. Mais moi, dès que je moi comme je copie le lien, on nous voit tous les deux directement dans les groupes, sur Facebook, etc. Nickel. Donc c'est, je pense que c'est bien ça. Tout à fait. C'est bien de voir que on est en direct. Je fais les deux derniers partages et je pense qu'on va... Il y a Karim qui dit « J'ai partagé ». Merci Karim. Il y a Mohamed qui dit « On partage ». Il y a Nature qui dit « J'ai partagé ». Donc voilà, merci les amis. C'est... Je vois que vous êtes motivés. Est-ce que vous avez préparé vos questions? Alors, en plus, j'ai fait à peu près 50 inscrits à la chaîne. Depuis que j'ai envoyé le message à ma liste, il fait 50 inscrits. J'ai envoyé le message vers midi. De midi à maintenant, il fait 50 inscrits. Donc, on dit « Animaux drôles, bonjour Nathanaël, ravi de vous rejoindre. Et je vis en Afrique et tu m'as donné envie de me lancer. Tu es l'un de mes plus grands coachs. » Merci. C'est beau ça. merci Animaux drôles. Et ce soir, on est avec Laura. C'est la plus grande coach en colocation. Et donc, voilà. On t'invite ou bien on vous demande de partager l'événement parce qu'on commence le live seulement si on a 20 personnes. Là, on est à 12 personnes, donc on évolue quand ça même. Ça va venir, ça va venir. Oui, ben, ça va venir. Je pense que le temps que les gens voient la notification, en fait, ce qui se passe à chaque fois qu'on veut faire le live, c'est que la publication de départ que je mets sur YouTube, elle disparaît. Il faut la supprimer lorsque vous êtes en live. Donc, il y a une nouvelle publication. Tu vois, si on pouvait automatiser le processus de telle manière que dès qu'on est en live, c'est l'autre publication qui s'ouvre, je pense qu'on aurait beaucoup plus de monde rapidement. Parce que les gens ont le temps de voir cette publication et du coup, ils ne savent pas ce qu'il faut revenir sur la chaîne pour voir le live. Oui, tout à fait. Ouais. Mais donc, bon, c'est un peu compliqué. Donc, pour ceux qui sont là, dans un premier temps, Laura, elle va se présenter, elle va vous dire qui elle est, comment elle a découvert la colocation, en quoi ça consiste, c'est quoi le business model, et après, elle va vous donner les stratégies. Bon, de toute façon, je suis comme vous, je vais découvrir ce qu'elle a préparé pour nous. Avec et on va directement l'allumer de questions. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça.
Il y a Par contre, Pizza est-ce que... Media qui dit salut. Salut, salut. Est-ce que vous pouvez dire d'où vous venez? Où ils sont, en fait, les gens? Bonjour, Bah, Laura. je t'écoute. Enchantée, animaux drôles. Tu es dans quelle thématique? Bah, du coup, moi, je suis investisseur en immobilier et je suis vraiment dans la niche de la colocation. Donc, on va en parler juste après. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez tous, s'il vous plaît? Où est-ce que vous habitez? Je pense qu'il y aura pas mal de personnes au Bénin aussi. Oui, il y a pas mal de. En fait, il y a un public, un vrai public, comme je te disais. Il y a des Canadiens, il y a des gens qui viennent de... Bon, on a C'est trop bien, deux ouais. Canadiens, des gens qui viennent des USA, de la Super. France, de l'Afrique. En Afrique, on a des Ivoiriens, on a du Béninois, on a du Togolais. Donc, en fait, on est dans le Et monde. ouais, c'est bien. Super. La classe, quand même. C'est clair, c'est clair. C'est j'ai partagé, on attend un peu, espérant que les gens vont nous rejoindre. Merci Elias d'avoir partagé, on attend justement un peu. On est 10 personnes, ça balance, mais bon. Elias, il vient du Bénin, super Elias. Côte d'Ivoire, Abidjan, pour nature et paysage. Cameroun, ah ouais, c'est international, hein, c'est vrai. Moi, je suis en France, du coup, je suis en France. Tu vois, c'est la classe, C'est on ça, est... c'est la classe. On n'a pas besoin de TF1 pour être en direct dans tous les pays. C'est clair, c'est clair. Ici, c'est le Togo, tu vois, il y a le Togo. Bon, le pour Togo. Le monde, on a beaucoup d'Africains. De l'Espagne. Ben, il y a l'Espagne, tu vois. Super, super. Ça commence à venir et voilà, on a... On est à 11 personnes. On est à 11 personnes, voilà. Donc, aussi, si vous voulez que YouTube mette le live en avant, mettez des pouces bleus. Comme ça permet à YouTube de référencer, de mettre le live en avant. Et ça nous aide à atteindre les 20 personnes. Il manque 9 personnes. Bon, on va diminuer un peu la tâche. On va revenir à 15 personnes. Faut jamais baisser parce que je ses pense objectifs. Qu'il y a des gens qui partent. Pardon? Faut jamais baisser les objectifs. Hein. Si, quand même, un peu parfois. Non, on les baisse, on les revoit juste légèrement à la baisse. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais normalement, il ne faut jamais baisser ses objectifs financiers. Je ne sais pas si dans le domaine de la colocation, tu as utilisé cette stratégie pour pouvoir quitter le salariat tout à fait, ou pas. Tout à fait. Parce que sur Internet, moi, au départ, je me suis dit, bah, tu génères 1 000 euros et après, tu vois ce qui se passe. Mais c'était difficile d'atteindre les 1 000 euros, mais je n'ai jamais baissé d'objectif. Parce que quand tu revois tes objectifs à la baisse, tu baisses de motivation aussi. Exactement. Non, il ne faut jamais revoir à la baisse les objectifs financiers jusqu'à ce qu'on les atteigne, en fait. Et du coup, il faut garder l'objectif jusqu'au bout. Animaux drôles, je vis au Cameroun et je veux me lancer en affiliation. Site de niche pour le moment, je n'ai pas de moyens pour m'acheter la formation où je me forme gratuitement grâce aux vidéos de Nathanaël. L'affiliation, c'est toi l'expert, je pense. Oui, animaux drôles, c'est bien. Mais ce soir, on va parler d'investissement immobilier. Et moi, je rappelle une chose, ce que je dis dans la plupart des vidéos, l'objectif, généralement, pour moi, en tout cas pour moi, ça a été d'utiliser l'affiliation, les ventes de formation pour créer le cash et utiliser ensuite le cash investi dans l'immobilier et dans la bourse. Donc, et justement, ce soir, on reçoit Laura qui est investisseuse, qui a de super résultats. Et pour ce soir, j'ai décidé ou bien j'ai invité Laura pour qu'elle partage avec nous c'est quoi la colocation, comment ça marche, c'est quoi le business model, et pour nous permettre à nous de nous préparer pour ceux qui n'ont pas encore de moyens financiers et pour ceux qui n'aiment pas l'affiliation et qui peuvent déjà investir, parce que je rappelle que Laura, elle a investi sans apport. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je raconte. Tout à fait, tout quoi. À fait. Laura, tu m'arrêtes. Si oui, je oui, il n'y a pas de souci. Il faut juste mettre pause. Donc, Laura, elle a investi sans apport. Elle n'a pas mis de l'argent depuis sa poche. Elle a juste utilisé l'argent des autres. Ouais. Et, elle a pu investir. Elle dégage des revenus super intéressants. Niela, bonjour et bienvenue dans le live. Je t'invite à partager pour qu'on ait au moins 20 personnes. On est à 19 ouais, personnes. 17. Super. Super. Merci d'avoir joué le jeu. Je pense que franchement, c'est bien.
On a 19 personnes sur 20. Donc, voilà. Comme quoi, on peut toujours y arriver. C'est ça, exactement. Tu vois, fallait pas revoir à la baisse. Vois, il fallait augmenter, je Non, pense. Il fallait aller à 30. on va s'arrêter à 20, on reste raisonnable quand même. D'accord. Niela, il faut que tu nous aides à rejoindre, à atteindre les 20 personnes en ligne. Donc, il faut partager l'événement et mettre un gros pouce bleu. Comme ça, YouTube peut mettre l'événement en avant et on atteint rapidement les 20 personnes. Il manque une seule personne pour qu'on arrive aux 20 personnes. Et après, on laisse Laura partager son expérience, son histoire, nous dit qui elle est. À part moi, je pense que moi aussi, je la connais juste de nom parce qu'on a rejoint la même formation au départ et parce qu'on a participé au même concours pour gagner Ouais, une place. on a gagné, hein? On se verra là-bas. On a gagné une place finalement. Tout Donc, à fait. on se voit en octobre pour de vrai. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et là, on est à 17 personnes avec Pro Marketing TV qui nous a rejoint. Bonsoir, Nat. Bonsoir à toi. D'ailleurs, est-ce que tu nous donnes ton nom? Parce que là, on t'appelle Pro Marketing TV. Et voilà. Donc, Pro Marketing TV, essaie de partager l'événement sur Facebook. Invite les gens à nous rejoindre, s'il te plaît. On commence le live s'il y a 20 personnes. Là, on est entre 17 et 19. Donc, il manque 3 personnes. Mais je pense qu'il manque une personne pour de vrai. Ouais, c'est ça. Juste une et ça sera parfait. Juste une personne et après, on commence le live. Ah, Pro Marketing qui nous dit non, Nathanaël, je suis la 20e personne. Ouais, Donc, les deux autres sont, selon lui, les deux autres étaient déjà là, mais ils sont pas notifiés dans le top chat, en fait, je pense. Ah, il dit Meshack depuis le Bénin. Salut à toi, Meshack. Tu vois, je connais échec. Meshack en plus. C'est une personne à qui j'ai donné deux conseils. Tu as dit, parfois, il y a des gens qui reçoivent des tonnes de conseils qui n'arrivent pas, mais lui reçoit deux conseils et 3 jours plus tard, il a ses premiers revenus. C'est super, super. Donc, salut Meshack et bienvenue dans le live. Donc, aujourd'hui, on parle de colocation. C'est de l'investissement immobilier. C'est une stratégie qui marche bien en Europe, etc. Toi, tu es au Bénin, mais je certifie qu'elle peut très bien marcher au Bénin. Tout à fait. Là, en fait, j'ai loué une maison. Là, je suis dans une location courte durée. Mais ici, en fait, les gens font tous les types de business, mais ils n'ont pas de nom, en fait. Je ne sais pas si tu D'accord. comprends ça. Ils font de la location courte durée. J'ai loué un appartement pour 2 mois. Tu vois, c'est courte durée, quelques semaines. Ouais. Juste quelques semaines. Tu peux louer l'appartement pour 5 jours ou pour 7 jours aussi. D'accord, Tu vois, ok. c'est courte durée, mais on n'appelle pas ça location courte durée. Tu vois, Ouais. il n'y Ils appellent ça comment? Il n'y a pas de a nom? pas de nom. D'accord. Donc, je pense que la colocation aussi, ça peut exister, mais ils n'ont pas donné le même nom Ouais, tout que à les fait. investisseurs européens. Bon, j'ai assez parlé. On va donner la parole à Laura. On est 19. Je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'il est 18h24, donc Oui, on va 19h24, commencer. on a fait Ouais. patienter pendant 25 minutes. Donc voilà, on laisse Laura parler maintenant. Ok, bah bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Du coup, là, on va parler immobilier et investissement en colocation spécifiquement. C'est vraiment la niche où je me suis spécialisée. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé quelques slides pour vous. Donc, je vais partager. Non, il faut que tu réactives le partage d'écran. Ok, je fais ça tout de Ouais. suite. Option partage avancée pour les participants. Est-ce qu'il y a des gens Normalement, c'est qui bon. s'intéressent déjà à l'immobilier? Dites-moi aussi dans le chat. La colocation, c'est qui? Elias qui dit la colocation a surtout, je ne sais pas, dans le monde étudiant. Faut te détrompe-toi, Elias, parce que ça fonctionne aussi. Il n'y a pas que les étudiants qui sont en colocation, mais ça peut correspondre à plusieurs types de profils. Donc, on va voir ça. Alors, je vous mets en grand écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran, le partage? Je pense que là, c'est bon. Bah, moi, je vois très bien le partage. Donc, si tu le vois, c'est que tout le monde le voit. Du coup, je vais me Attends, non, présenter. je vois sur mon ordinateur, mais pas sur YouTube, par contre.
Parce que j'ai YouTube sur mon Si, je le téléphone. vois, moi, sur YouTube. Mais attends, ou bien c'est moi qui devrais partager l'écran? Attends, je vois. Non, non, moi, je le vois sur YouTube, là. C'est bon? Moi, je le vois. Alors, est-ce que les gens le voient? Oui, ils disent oui, Est-ce que facile. vous... Ok, bah s'il voit, c'est bon. Donc, il Ok, répond oui, donc c'est cool. super. Donc moi, je me présente. Donc moi, je m'appelle Laura Prudent. Donc j'ai 32 ans. Je suis infirmière puéricultrice de formation. Donc j'avais vraiment aucune connaissance en immobilier avant d'investir. Donc aucune connaissance particulière. Et en fait, j'ai vraiment pris la décision d'investir fin 2017 grâce à la lecture d'un seul livre. Donc on dit souvent qu'il faut une rencontre ou un événement pour justement changer quelque chose dans sa vie. Et moi, ce fut la rencontre avec un seul livre qui parlait d'investissement immobilier. Donc j'ai lu ce livre et après, ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Parce qu'en général, on a tendance à acheter sa résidence principale, vivre dedans, etc., pensant que c'est quelque chose de super. Alors qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est un gros passif. Bon, après, c'est un vocabulaire dont je n'avais pas connaissance avant de lire ce livre, justement. Et donc, en fait, dès que j'ai lu le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre manière d'utiliser, enfin, de devenir propriétaire en immobilier. Et du coup, c'était le fait de devenir investisseur en immobilier. Donc, à partir de là, j'ai revu ma stratégie, enfin, j'ai changé ma vision, en fait, et je suis partie pour investir uniquement dans des actifs. Donc, des actifs, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Contrairement à un passif, quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Donc c'est vrai que la résidence principale, on pense que c'est une fin, enfin que c'est l'idéal, qu'il faut avoir sa maison, etc. Mais en vérité, ça reste quand même un gros passif, c'est-à-dire que ça va vous coûter de l'argent, vous devez rembourser votre crédit, payer la taxe foncière, etc. Et à côté, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça et depuis, du coup, fin 2017, je me suis formée avant de passer à l'action, donc pour investir uniquement dans des actifs. Donc vraiment, une formation, c'est une étape super importante à ne pas négliger. Donc vraiment se former et après passer à l'action. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis formée et ensuite je suis passée à l'action avec un seul et unique objectif. Donc en fait, je voulais vraiment remplacer mon salaire par les rentes pour pouvoir après, en gros, me constituer un matelas de sécurité. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis propriétaire de quatre investissements immobiliers. En colocation. Et du coup, j'ai fait tout ça en moins de 18 mois et bien sûr sans apport. Donc, si moi je l'ai fait, je pense que vous pouvez tous le faire. Donc, en gros, voilà, de 0 à 24 sources de revenus en moins de 18 mois grâce à l'immobilier. Donc là, je vais vous présenter l'intérêt d'investir en immobilier parce qu'on n'a pas forcément connaissance de l'intérêt d'investir en immobilier, surtout quand on ne sait pas en fait que c'est possible. Faut vraiment vous dire que en fait, moi, j'ai réussi à investir sans apport, comme l'a dit Nathanaël tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas mis un euro de ma poche dans les investissements immobiliers. En gros, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vous enrichir avec l'argent de la banque en contractant un crédit. Et c'est ce qu'on appelle un effet de levier bancaire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez emprunter l'argent à la banque. Et ensuite, ce n'est pas vous qui allez rembourser le prêt, mais c'est le locataire que vous allez mettre dans le bien qui va rembourser votre crédit à votre place. Donc, du coup, ça fait un double effet, c'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent de la banque et le locataire va payer le loyer. Donc, vous vous enrichissez en fait avec la banque et avec le locataire qui sera dans le bien. Le fait d'investir en immobilier aussi, ça vous permet de vous sécuriser, vous et votre famille, parce qu'en fait, il y a des assurances qui sont contractées. Dès lors que vous allez investir en immobilier, vous allez contracter une assurance emprunteur. Donc, en général, si vous investissez seul, ce sera 100% sur vous. Si vous êtes à deux, donc 50-50 ou 100-100, vous pouvez prendre 100-100. Et ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez un accident, que vous n'êtes plus en capacité de payer votre prêt ou que tout simplement vous décédez, votre famille sera vraiment mise à l'abri parce que c'est l'assurance qui va reprendre le relais et finir payer les mensualités, etc., etc. Donc du coup, ça vous protège. On a tendance à croire que le crédit, c'est mal, que c'est pas bien, qu'on s'endette, etc. Mais il faut vraiment voir cette autre facette du crédit immobilier, en gros, qui vous sécurisera davantage, en fait. Ça va vraiment vous sécuriser. Ensuite, le troisième point, c'est que ça va vous permettre de générer des revenus passifs et complémentaires. Donc en général, le but vraiment en investissant dans l'immobilier,
c'est le fait d'avoir un crédit d'un certain montant et que, bien sûr, les revenus couvrent ce montant de crédit avec toutes les charges que vous allez avoir à côté et que ça le dépasse. Donc, aujourd'hui, moi, tous les investissements que je fais, donc les loyers que je reçois, ça va vraiment couvrir le crédit, mais aller bien au-delà parce qu'en fait, je vais réussir à générer entre 500 et sur des plus gros projets, 3000 euros de cash flow. Cash flow, c'est vraiment ce qui va vous rester à la fin. Une fois que vous avez tout payé, que vous avez remboursé l'assurance du bien, tout ce que vous allez prendre en charge en fait, sur votre bien. Donc, c'est vraiment possible de faire des investissements dans lesquels il va vous rester du cash flow. Ensuite, ça vous permet de vous constituer un patrimoine, donc vraiment pour pouvoir léguer à vos enfants. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de super important parce que dès lors que vous devenez propriétaire, donc il y a une succession qui sera possible, même quand vous allez décéder, donc le bien reviendra à vos enfants ou à quelconque membre de votre famille. Donc, c'est super important, OK, d'avoir un travail, voilà, quand vous êtes salarié, en fait, vous avez un travail, vous allez cotiser pour la retraite, etc. Vous allez être à la retraite, vous allez avoir votre retraite. Une fois que vous décédez, il n'y a plus rien. Il n'y aura pas de trace de votre retraite pour les enfants, etc. Alors qu'avec l'immobilier, ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir un bien immobilier, vous allez générer des revenus complémentaires et à votre décès, ce sera une transmission automatique. Après, ça dépendra de ce que vous avez choisi. Mais vos enfants ou la personne qui va hériter pourra récupérer votre patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas se perdre. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux. Même si vous êtes salarié, d'investir, au moins d'avoir un bien. En fait, je pense que tout le monde devrait au moins avoir un bien immobilier en investissement, en fait. Et du coup, la pierre, c'est une valeur sûre. Il faut savoir que les banques ne vous prêteront de l'argent que pour investir en immobilier. Il n'y a pas de banque qui va vous prêter de l'argent pour investir en bourse, pour investir dans les crypto-monnaies, pour investir dans autre chose. Ça reste plus difficile, alors que quand c'est l'immobilier, là, les banques, elles prêtent sans se poser de questions parce qu'elles savent très bien que c'est une valeur sûre et que l'immobilier, ça marchera toujours. Donc, il faut vraiment vous dire ça. Et ensuite, il y a l'avantage fiscal. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez investir en immobilier, et c'est ma stratégie, c'est une des stratégies, c'est-à-dire qu'il va falloir acheter un bien qui a des travaux à faire en fait dans ce bien. Donc, ça a plusieurs avantages. Vous allez l'acheter déjà beaucoup moins cher que le prix du marché étant donné qu'il y a des travaux à réaliser. Et la plupart des gens n'aiment pas réaliser des travaux, ça fait peur, etc. Donc là, ça va être un moyen de négocier le prix, sachant qu'il y a des travaux. Donc, vous allez prendre un bien avec travaux, vous allez faire les travaux, donc vous allez redonner une seconde vie à ce bien immobilier. Et du coup, ça va créer de la valeur. Donc, de la valeur, pourquoi ? Parce que vous allez mettre en place une décoration au goût du jour, on va dire. Donc, vous allez pouvoir le louer beaucoup plus cher qu'un bien qui ne serait pas très rénové. Donc, vous le louerez beaucoup plus cher que le prix du marché. Et de deux, en fait, quand vous allez revendre, vous allez vous faire forcément une plus-value. Si vous avez acheté moins cher au départ et que vous allez faire des travaux, donner de la valeur, etc., vous revendrez forcément avec une plus-value. Et comme on dit, en fait, la bonne affaire va se faire le jour de la signature chez le notaire. En fait, dès lors que vous avez trouvé votre bien, que vous allez signer chez le notaire, vous êtes censé avoir fait une opération qui vous rapportera de l'argent, quoi qu'il arrive. Et donc, pour en revenir aux travaux, en fait, ça va vous permettre une réduction d'impôts, donc de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. C'est-à-dire que toutes les charges que vous allez faire, les travaux, etc., tout ce que vous allez faire dans votre bien, ça va permettre de créer un défi, ça va permettre de générer de la charge sur votre investissement et donc de créer un déficit et de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années en général. En général, sur la colocation, on est sur pendant au moins 5 ans parce que c'est vrai que les revenus sont assez conséquents. Mais pendant au moins 5 ans, vous pouvez vous dire que vous êtes tranquille si vous appliquez cette stratégie, c'est-à-dire d'avoir un bien à rénover avec travaux et vraiment quand vous déduisez le coût des travaux finalement. Vous êtes en capacité de ne pas payer d'impôts. Je répondrai aux questions après, du coup, parce que je vois qu'il y a des questions qui ont été ajoutées, mais je répondrai tout de suite après. Donc voilà, vraiment important d'utiliser un bien. Et bien sûr, les travaux, tout ça, c'est englobé dans le prêt immobilier. Je rappelle que je n'ai pas mis 1 € de ma poche sur les premiers investissements. Enfin, même sur les derniers, mais après, voilà, des fois, vous avez juste les frais de dossier à mettre qui sont autour de 500 euros, mais après, vous avez des moyens de les rattraper par derrière. Donc, ce serait vraiment, enfin,
C'est, enfin, des fois, les banques, elles vont vous arranger comme ça. En fait, elles vont vous dire, voilà, il faut apporter peut-être les frais de dossier de 500 euros, mais elles vous le recréditent, en fait, sur votre compte par la suite. Donc, c'est vraiment que des avantages en immobilier. La plupart des gens l'ignorent. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça, que c'est possible, que vous pouvez contracter un crédit pour financer votre bien, financer les travaux et après pouvoir le louer beaucoup plus cher que le prix du marché, que les loyers couvrent votre crédit et que ça vous enrichisse en plus. Donc, en fait, quand vous allez investir en immobilier, en fait, il faut vraiment maîtriser chaque étape du projet. En gros, quand vous allez investir, vous allez devenir un chef d'entreprise. Donc, ça, il faut vraiment en avoir conscience. C'est comme un métier à part entière, on va dire. C'est vraiment important d'être au contrôle, d'où la formation avant d'investir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans être formées et qui finalement se rendent compte que l'investissement n'était pas rentable ou qu'ils ont oublié des paramètres dans le calcul. Et du coup, ça fait que des fois, l'investissement qu'ils pensaient être rentable ne l'est pas. Donc, c'est vraiment important, j'insiste, sur le fait de se former avant de passer à l'action. Donc, dans les stratégies d'investissement immobilier, vous avez plusieurs types, j'essaie de les recenser pour vous en faire part. Donc, en gros, vous avez la location simple, c'est-à-dire d'acheter un bien et de le louer tout simplement à une personne. Vous avez la location courte durée, c'est-à-dire d'acheter un bien et de le louer sur des courtes durées. Donc, en général, c'est les sites type Airbnb ou autres. Donc, c'est vraiment du saisonnier, comme tu disais, Nathanaël, tout à l'heure. Donc, du saisonnier sur des très courtes durées. Donc là, ça vous permet aussi vraiment d'augmenter votre rentabilité. Contrairement à la location simple, en général, il n'y a pas forcément de cash flow. Je rappelle, le cash flow, c'est vraiment la somme d'argent qui va vous rester une fois que vous avez tout payé, votre crédit, vos charges, etc. C'est vraiment ce qui vous reste à la fin. Donc, location simple, en général, pas trop de cash flow. Location courte durée, par contre, ça ramène du cash flow, mais après, c'est une gestion à mettre en place ou avoir toute une conciergerie, en général, une femme de ménage, quelqu'un pour faire les entrées, les sorties. Ou alors, c'est vrai qu'il existe des boîtiers automatisés que vous pouvez mettre devant la porte. Comme ça, c'est une gestion autonome de la personne. Mais quoi qu'il arrive, il faudra toujours une femme de ménage compétente. Ensuite, vous avez les immeubles de rapport. Donc, immeuble de rapport, ce n'est pas forcément l'immeuble qui fait je ne sais pas combien d'étages. En général, on parle d'immeuble de rapport. Ça peut être une maison tout simplement divisée, enfin, ou deux logements en fait, deux, quatre logements, six logements ou plus. Mais ce n'est pas forcément le grand bâtiment que vous allez voir à Paris ou autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision. Et finalement, un immeuble de rapport, c'est à partir de deux, trois, quatre logements, ça peut être déjà un immeuble de rapport. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qui est très intéressante puisque vous allez pouvoir avoir un bâtiment et louer à plusieurs colocataires. Donc, ça rapporte aussi quand même pas mal de cash flow. Ensuite, vous avez la colocation. Donc, la colocation, ça va consister à prendre un bien, que ce soit un appartement, une maison ou même un immeuble de rapport. Donc, en fait, c'est vraiment un bien d'une surface assez conséquente, on va dire, à partir de, on va dire, 60 mètres carrés. Encore, c'est serré. Après, ça dépend le nombre de chambres que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, je sais que je fais des colocations de 4 chambres minimum. Donc, les surfaces, c'est minimum à 75 mètres carrés. Et du coup, ça va consister à prendre un bien et à le diviser, en fait, à louer des chambres, tout simplement. Vous louez des chambres à plusieurs personnes. Et là, à ce niveau-là aussi, le cash flow est important parce qu'au lieu d'avoir un bien et de le louer à une personne, vous allez avoir un bien que vous allez louer à 4, 5, 6, 7, 8 personnes, enfin autant de chambres que vous avez. Donc, c'est une stratégie qui va ramener énormément de cash flow sans les efforts que vous allez avoir à fournir avec, par exemple, la location courte durée. La colocation, ça reste quand même semi-passif, si je peux dire ça. En général, les personnes qui louent, oui, je ne sais plus, il y avait une personne qui disait que c'était pour les étudiants. Donc oui, en général, ça peut être des étudiants, mais ça peut être aussi des jeunes actifs. Il y a plusieurs types de profils qui vont louer. Et en moyenne, on va dire en moyenne, les gens, ils vont rester au minimum entre 9 mois à 1 an, le temps d'une année scolaire. Ou après, si c'est des salariés, ça peut aller sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Il y a des personnes qui veulent vraiment vivre en colocation pour ne pas être isolées. Ensuite, vous avez tout ce qui est cave et parking. Donc là, pareil, à moins d'avoir énormément de lots, c'est une stratégie qui est bien pour commencer, mais ça ne va pas vous ramener énormément de cash flow, sauf si, comme je disais, vous avez énormément de lots. Et ensuite, vous avez la stratégie de sous-location qui est souvent appliquée, qui peut être appliquée partout d'ailleurs, hein, soit en location courte durée ou en colocation, c'est de sous-louer un bien. Donc, dans cette stratégie-là, par contre, vous n'avez pas besoin de crédit. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se faire financer. C'est une stratégie qui vous permet en fait d'être
comment dire, de générer de l'argent avec un bien, le bien d'un propriétaire, en fait. Donc, vraiment, ça aussi, c'est vraiment une niche qui est bien pour toutes les personnes qui ne peuvent pas emprunter de crédit bancaire. C'est vraiment la stratégie à utiliser. Donc, moi, j'ai choisi la colocation. Donc, pourquoi la colocation? Donc, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment augmenter les revenus mensuels, donc le cash flow, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir louer plusieurs chambres. En fait, vous avez un bien et vous allez louer plusieurs chambres à des personnes différentes. Donc, ça va vraiment augmenter votre cash flow. Donc, ça va optimiser votre temps. C'est-à-dire que lorsque vous allez trouver un bien immobilier, il faut aller faire des visites, discuter avec l'agent immobilier, ensuite faire venir l'artisan sur le chantier pour estimer le coût des travaux. Ensuite, il va falloir aller à la banque pour déjà passer chez le notaire pour signer le compromis, aller à la banque pour trouver son financement, etc., etc. Dites-vous que si vous faites ça pour un studio que vous allez louer à une personne, en fait, ce sera exactement les mêmes démarches à réaliser, donc le même temps en gros. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça va être une optimisation du temps parce que vous allez faire exactement les mêmes démarches que pour un studio, mais là, ce sera pour une colocation, donc pour un logement bien plus grand et que vous allez louer à plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment, faut vraiment le voir comme, oui, vous faites une chose une fois, mais vous allez louer à plusieurs personnes. Du coup, ça mutualise aussi le risque, c'est-à-dire que là, je vais prendre l'exemple du studio à chaque fois. Par exemple, si vous avez un studio, vous allez avoir un locataire. Donc, si le locataire a décidé de ne plus payer son loyer, là, vous êtes en difficulté, vous allez devoir trouver des solutions, etc., pour assurer le loyer à payer. Alors que quand vous êtes en colocation, dites-vous que vous avez un crédit, mais vous avez 3, 4, 5, 6, autant de nombre de locataires, vous avez autant de loyers qui rentrent, en fait. Donc, ça va, c'est pas qu'un loyer que vous allez avoir, mais ça va être plusieurs, donc en général 3, 4, 5, etc. Donc ça, ça va vraiment mutualiser le risque. Après, il y a des manières, il y a des types de baux, enfin, il y a tout qui est mis en place pour se sécuriser, pour éviter d'avoir des impayés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des impayés, etc. Mais il y a vraiment des choses qui sont faites pour justement vous protéger vis-à-vis des impayés. Et ça passe aussi, bien sûr, dans la sélection des locataires. Donc, c'est un travail à faire en amont. Comme je disais, vous allez devenir un chef d'entreprise. Donc après, c'est à vous de sélectionner les locataires pour que vous ayez des profils qui soient sérieux et qui vous payent. Moi, je touche du bois là, mais je n'ai jamais eu d'impayé jusque-là. Donc, c'est vraiment tout est question de choix de locataires, donc à définir à la base. Donc, la colocation, ça va répondre à un besoin. Je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a des personnes qui veulent vivre en communauté, qui ne veulent pas rester isolées. Donc, certes, il y a des étudiants qui viennent, qui peuvent venir de tout horizon. Moi, j'ai déjà eu des étudiants qui venaient du Brésil, qui venaient du Mexique, qui venaient de partout, partout ailleurs. Donc, du coup, ça va vraiment répondre à un besoin. Les personnes ont besoin de se loger. Ça répond aussi donc, à un maximum de profils. Donc, comme je disais, donc, les étudiants, ça va répondre au profil de salariés qui viennent d'entrer dans la vie active et qui n'ont pas forcément envie de vivre seul ou de payer un petit studio, qui veulent vraiment être en communauté et vivre, avec d'autres personnes aussi. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, enfin moi, je sais que personnellement, je loue des chambres beaucoup plus chères que des studios, en fait. Et les gens, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment une expérience, l'expérience d'être en colocation, de partager avec d'autres personnes. Donc, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher qu'un studio dans la même ville, sachant qu'ils vont se retrouver ils ont leur chambre qui fait au minimum c'est 9 mètres carrés pour être dans la loi, en fait, 9 mètres carrés au minimum. En général, moi, elles font entre 10 et 12, ça dépend des appartements. Mais il va se retrouver dans une chambre, donc il aura son espace. En plus de ça, il aura des espaces communs, donc que ce soit cuisine, salle de bain, etc. Contrairement au fait d'être dans un studio où des fois c'est peut-être 12 mètres carrés, 20 mètres carrés, mais il est tout seul dedans et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas autant d'espace que dans une colocation. Et après, comme je disais, c'est vraiment une expérience qu'ils recherchent. Donc, à vous aussi de mettre en place des choses qui vont être attrayantes pour le locataire. Donc, moi, je sais que je fais déjà des travaux de rénovation. Donc, c'est des logements qui sont neufs. Ensuite, je mets pas mal de services à côté pour justement que le locataire, en gros, il vient, il s'installe et basta. Il n'a rien d'autre à s'occuper. Et du coup, ça rassure en général, que ce soit, si c'est pour des étudiants, les parents qui vont se porter caution, ou les personnes qui sont salariées, etc., et qui viennent se loger dans la colocation.
Donc, les travaux de rénovation, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça va vous faire une plus-value à la revente et une plus-value dans le sens où vous allez pouvoir louer beaucoup plus cher que le prix du marché. Et les déductions de charges, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça va vous créer un déficit et vous ne paierez pas d'impôts pendant quelques années. Donc vraiment, investir en immobilier, je vais vous donner 5 étapes qui sont pour moi indispensables. Donc c'est vraiment le but de déterminer vos objectifs. Il faut que ce soit des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc vraiment quelque chose de précis. Vous pouvez aussi faire la visualisation et les affirmations qui marchent réellement, c'est-à-dire de vous projeter vous imaginez avoir votre premier bien immobilier, aller chez le notaire, etc., et faire des affirmations. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Miracle Morning, qui est un livre, mais je ne sais pas si Nathanaël, tu l'as déjà lu, mais Miracle Morning, c'est vraiment un livre qui va vous permettre de justement instaurer une routine et pouvoir justement… atteindre vos objectifs rapidement. Donc, en troisième point, instaurer une routine, donc faire un petit pas chaque jour vers votre objectif, être organisé et bien sûr se former, qui est une étape indispensable. Et après, il y a vraiment le fait de rester focus, déterminé et de s'entourer des bonnes personnes, donc d'avoir un cerveau collectif, des personnes qui veulent aller dans le même sens que vous, qui ont déjà atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre. Mais c'est vraiment la clé parce que des fois, vous allez vous retrouver dans un entourage où les personnes ne comprennent pas ce que vous allez faire, ne savent pas forcément c'est quoi investir en immobilier. Donc, elles vont peut-être vous décourager, vous dire que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas avoir de l'argent avec un crédit. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, parce qu'en général, c'est le manque de connaissances qui fait dire ça, ou alors la peur, parce qu'elles n'ont elles-mêmes rien fait, et c'est inconnu pour elles. Du coup, des fois, c'est juste pour vous protéger, mais vous allez avoir les personnes de votre propre entourage qui vont être dans le négatif. Du coup, c'est super important d'être entouré des personnes qui ont déjà atteint l'objectif où vous voulez aller. Donc, vraiment, le cerveau collectif, c'est vraiment la clé pour… Parce qu'en tant qu'investisseur, vous allez avoir des phases de… Il y a des hauts, il y a des bas, ça va être les montagnes russes émotionnelles parfois. C'est vraiment quelque chose de long. Ça ne se fait pas rapidement, en fait, parce que déjà, rien qu'entre le fait quand vous allez signer votre compromis et signer définitivement chez le notaire, en général, il y a 3 mois qui s'écoulent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va… Il faut vraiment être persévérant, en fait, dans l'immobilier et ne pas perdre patience. Donc, pour ça, j'ai mis un groupe Facebook en place. Donc, les personnes qui veulent le rejoindre, si vous vous intéressez à l'immobilier et à la colocation, n'hésitez vraiment pas à demander à rejoindre le groupe. Donc, le titre, c'est vraiment de 0 à 24 sources de revenus en moins de 18 mois grâce à la colocation. Donc, c'est vraiment un groupe dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions, interagir, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le rejoindre, vous tapez juste de 0 à 24 sources de revenus en moins de 18 mois grâce à la colocation dans la barre de recherche sur Facebook. Donc, ça, c'est l'image de fond d'écran, comme ça, vous pourrez repérer. J'ai mis en place aussi, du coup, mon coaching pour les personnes qui souhaitent investir. Donc, en gros, je vais faire rapidement. Donc, c'est un coaching qui est personnalisé. Ce n'est pas une formation en ligne. En gros, je vous accompagne comme là, en direct, en live. Ça se compose de 8 modules de sessions live, donc environ 24 heures de formation au total. Ça va vous permettre de maîtriser les étapes de l'investissement immobilier en colocation. Ça va vous donner confiance vis-à-vis du projet. En gros, vous serez au contrôle de la situation. Il y aura tous les outils qui vont vous être délivrés, donc que ce soit le business plan pour présenter votre dossier à la banque, le tableau de calcul de rentabilité, une checklist pour faire les visites, etc. etc. Comme je disais, vous allez devenir un chef d'entreprise. Donc, il faut vraiment vous présenter très carré devant le banquier, avoir toutes les connaissances sur le projet, savoir combien vous allez le louer, etc. etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la rigolade. On ne peut pas se permettre d'aller à la banque les mains dans les poches, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et vraiment montrer qu'on maîtrise la chose, que ce soit même vis-à-vis des artisans, etc., de toutes les personnes à qui on aura affaire durant ce parcours. C'est vraiment important d'être au contrôle. Donc, vous allez aussi avoir accès à tout mon réseau et aux événements dans lesquels je peux aller. Il y a accès à un groupe WhatsApp privé, sur WhatsApp. Et du coup, la stratégie que vous allez apprendre, c'est totalement duplicable. Donc, si vous le faites une fois, vous pourrez le faire deux fois, trois fois, quatre fois et autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif que vous êtes fixé. Donc là, je vous laisse mes coordonnées pour les personnes qui souhaitent me suivre. Donc, sur Facebook et Instagram, vous tapez Laura Prudent, comme ça, vous pouvez m'ajouter. Investimo, c'est le nom de la société de coaching que j'ai.
créer du coup. Et je vous laisse aussi mon mail, donc laurainvestimo@gmail.com, si jamais vous voulez me contacter. Voilà, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, on va reprendre le fil des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions parce que je suis disponible pour vous. J'avais juste une petite citation à vous dire. En fait, en gros, la citation de Sénèque, donc ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En gros, ça signifie que il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'investir, qui disent « Oh là là, mais moi, je ne peux pas, l'investissement immobilier, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas comment je vais gérer les travaux, etc. etc. » Mais en fait, si vous n'osez pas faire un pas, c'est-à-dire vous former, avoir les connaissances nécessaires pour savoir comment faire pour investir, bah, vous allez toujours trouver que c'est difficile et vous n'allez jamais atteindre vos objectifs, vous n'allez rien faire en fait. Donc, la chose à faire, c'est vraiment de prendre votre vie en main, si je peux dire ça comme ça, de vous former, d'aller, d'apprendre et après d'appliquer les choses et vous verrez que c'est tellement simple. C'est vrai qu'au début, même moi, quand je parlais du livre que j'ai lu, bah, je me disais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et finalement, bah, en passant à l'action, parce que c'est ça la clé, c'est vraiment le passage à l'action. En passant à l'action, j'ai vu que bah, c'était totalement possible et c'était très simple. Donc, le jour où j'ai reçu mes premiers loyers qui sont tombés, bah, franchement, j'étais super heureuse et j'ai vu que ça marchait réellement. Donc, c'est vraiment quelque chose à... Enfin, il faut vraiment en avoir conscience. Il faut vraiment vous former pour avoir toutes les connaissances nécessaires pour passer à l'action et atteindre vos objectifs de façon sereine. Voilà, donc maintenant, je reste disponible pour vous et répondre à vos questions. Donc, j'espère que ça a été, que, que vous m'avez suivi. J'espère qu'on ne les a pas perdus à un moment donné. Ok. Après, donc, il y a quand même toujours 17 personnes. Hein. Il y a 17 personnes. Il y a toujours 17 personnes. Ça tourne entre 20 et 17. J'ai arrêté mon partage du coup. Il y a l'entrepreneur Mindset qui est revenu. Lui, ouais. Il est en France. Il y a Fanny Dardier pour la colocation. Tu achètes tout. Tout le matériel de cuisine, couvert, mixeur, ouais. Par exemple, etc. Et aussi, prends-tu la bosse internet et tu la mets dans les charges? Exactement, dans les charges. Oui, c'est ce que je disais. En fait, ah, ça sent un investisseur, là. En fait, oui, c'est ça. Il y a tout qui est compris dans les charges, en fait. Tout ce que vous allez faire, les travaux, la cuisine, oui, la cuisine en elle-même, mixeur, oui, les couverts, la fourchette, la cuillère, tout va rentrer dans les charges, en fait. Parce que moi, en fait, je fais de la colocation meublée. C'est ce que je n'ai pas précisé. C'est que tout est meublé. Il y a tout qui est fourni, en fait, dans le logement. Du coup, tout est dans les charges. Jusque même le lit, la box internet. Je prends aussi en charge l'assurance habitation. Tout est dans les charges. Après que je répercute sur bah, les charges du locataire, du coup. Je ne sais pas s'il y avait okay. D'autres questions en haut. Ben, s'il y a des questions, attends, je vais essayer de lire. OK. Et après, à chaque fois qu'il y a une question, c'est toi qui réponds. Moi, je lis juste parce que moi, je ne connais rien. Alors, on a Mohamed qui dit « Les livres à utiliser, s'il te plaît. » Alors, le livre à utiliser, bah, déjà, celui que j'avais lu, c'était le livre de Romain Caillé, « Adieu, patron ». Si vous voulez le lire, je le recommande. C'est un très bon livre. Après, il y a beaucoup de livres. Je recommande aussi les Robert Kiyosaki. Je pense que tu connais peut-être, Nathanaël, les livres de Robert Kiyosaki. Vous avez Père riche, Père pauvre. Exactement, ouais, il a l'envers là, mais c'est ça. Donc, le livre Père riche, Père pauvre, ouais. Le cadran du cash flow. Enfin, il y a vraiment. Ouais, le cadran du cash flow aussi, il est pas mal. Tous les livres de Robert Kiyosaki, en fait, je les recommande. Il y a aussi Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Est très bien. Napoléon. Ouais, il y a The Millionaire Fastlane aussi. Là, c'est vraiment l'autoroute du millionnaire. C'est un très bon livre. MJ DeMarco, je sais que tu l'as. Voilà, celui-là, il est super. Ça, c'est donc, vraiment. J'ai au moins deux des livres que voilà, tu conseilles. Donc voilà. Mais sur Instagram, j'ai je vais faire une story avec tous les livres que je recommande, tous ceux que j'ai lus, parce qu'il y en a énormément et franchement, il faut lire. C'est super important.
Alors, il y a Kwame Konan qui dit, est-ce qu'il y a des formations gratuites dans ce domaine? Tout se paye en général. C'est vrai que faut pouvoir investir sur soi. C'est super important. Après, oui, tu vas trouver des. Tu peux regarder sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des choses, tu vois, mais ce ne sera jamais aussi poussé qu'une formation payante, en fait. Les gens, ils vont te donner des informations, mais tu n'auras jamais tout de A à Z. Le truc à faire, c'est de pouvoir investir sur soi et donc de payer pour se former, pour vraiment avoir toutes les clés de A à Z, quoi. Vraiment avoir tout le process, tous les outils, etc. Parce que toi, si tu prends des trucs gratuits, oui, tu vas apprendre des choses, c'est sûr. Il y a du très bon contenu sur Internet, etc. Mais il va toujours te manquer quelque chose. Et dis-toi que même les formations, bah, il y a des personnes que je prends en coaching qui ont déjà suivi des formations en ligne, mais qui sont perdues parce qu'il n'y a personne derrière pour répondre aux questions, etc., etc. Donc oui, tu trouveras des choses gratuites, mais moi, je conseille vivement de payer une formation pour te former. Mais l'important, c'est vraiment de déterminer. Bah, ta niche, qu'est-ce que tu veux faire en fait, quel type d'investissement, et après de prendre une formation qui est liée à ce type d'investissement. Pour vraiment aller plus vite, en fait, la formation, ça va être un accélérateur de ta réussite, en fait, tout simplement. Ok, je suis en République centrafricaine. Les banquiers sont compliqués lorsqu'on demande un crédit. Comment on les convainc? Alors, ça va dépendre déjà de ta Parce que les situation. banquiers, les banquiers sont pareils, hein, que ce soit en France. En fait, moi, quand je venais au Bénin en mars dernier, je me suis dit, ok, arrivé au Bénin, je vais voir les banquiers, je vais leur dire, je viens de France. Ils vont juste dire, ok, ben, on vous fait le crédit. Ah ben non, C'est c'est pas possible. ça. Je suis allé voir le banquier et il m'a sorti des papiers. Quand je les ai lus, ils sont pareils que ce que j'ai reçu avec les banquiers à la Société Générale de France et au Crédit Agricole ou Crédit Mutuel en France. Donc, D'accord. les papiers, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait des copier-coller en fait. Donc, Oh, ça doit être la même chose, hein. bon, Après, c'est la même vraiment, chose. ouais, pour convaincre la banque, déjà, l'important, c'est d'avoir des comptes clean. Donc, de ne pas avoir d'être dans le rouge, c'est vraiment de pouvoir montrer au banquier que vous maîtrisez vos finances, que vous avez des comptes qui sont bien tenus, donc pas faire de dépenses inutiles. Vraiment, ça c'est important. Après, bah, vous constituez une épargne. Donc, comme on dit, il faut se payer en premier, au moins épargner 10% de votre salaire. Dès que vous recevez votre salaire, vous mettez 10% de côté. Déjà, ça, ce serait une bonne chose qui ferait que. Bah, parce qu'en fait, les banquiers ils vont avoir un scoring bancaire. Ça va être soit des couleurs qui vont du rouge au vert, soit des smileys ou peu importe. Mais ils ont ce qu'on appelle un scoring bancaire, c'est-à-dire que quand vous allez aller en entretien en face de lui, par rapport à votre profil, il va vous donner une certaine couleur ou une certaine note qui fait qu'il va vous suivre ou pas dans le projet. Donc, si vous avez des comptes clean, si vous avez un peu d'épargne, en général, il y a de fortes chances qu'ils vous suivent. Et après, c'est comme je disais, c'est être au contrôle, c'est-à-dire y aller en étant sûr de vous, avec un business plan monté, une parfaite maîtrise du projet, savoir les chiffres, qu'est-ce que ça va vous rapporter, etc., etc. Et vraiment montrer que vous contrôlez la situation, que vous avez tout réfléchi, que vous n'êtes pas juste là pour leur réclamer de l'argent. Après, il y a aussi la relation gagnant-gagnant. En général, quand les banquiers ils vont vous prêter de l'argent, bah, il y en a qui vont peut-être vous demander une contrepartie, c'est-à-dire d'ouvrir un compte épargne chez eux, de prendre une assurance chez eux, etc., etc. Donc, il faut toujours être dans la relation gagnant-gagnant et c'est comme ça que vous allez arriver à avoir votre financement. Après, c'est sûr que ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu des difficultés à me faire financer mon troisième et quatrième achat. Il y a des banquiers qui vont vous dire non, ça arrive à tous les coups. Moi, j'ai dû faire face à une vingtaine de refus. Donc, il faut vraiment les encaisser et pas lâcher. C'est pour ça que je disais qu'il faut être persévérant et avoir un mindset en béton. Parce que du coup, bah, il y a des banquiers qui ne comprennent pas, qui vont vous dire non. Mais au final, si vous restez persévérant et que vous y allez, vous lâchez rien, vous allez finir par trouver la banque qui va finir par vous suivre, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner au premier refus, parce que vous allez en avoir des refus. Il y a des banquiers qui vous diront non. Mais il faut continuer, il faut être persévérante et il ne faut rien lâcher. J'espère que j'ai répondu, du coup. Oui, je pense. Hein. De toute façon, la banque, moi, je réponds pour les Africains, les gens qui sont comme moi en Afrique actuellement. C'est pareil, c'est pareil. Moi, dès que je suis rentré au Bénin, je suis allé voir plusieurs banques. Je n'ai pas vu une seule banque, mais tout ce qu'elle explique, tout ce que Laura vient d'expliquer,
C'est exactement des choses qu'on m'a demandé. Par exemple, dans une des banques en Afrique ici, qu'on appelle EcoBank, on m'a demandé, est-ce que vous avez un salaire? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Même en France, on vous demande, est-ce que vous avez un salaire? Est-ce que votre salaire, il est domicilié chez nous? Ça, c'est la première question que le directeur d'agence m'a demandé. Je lui ai dit, non, je suis entrepreneur. OK. Est-ce que les revenus de votre société sont domiciliés chez nous? Donc, c'est pour dire que les banques, quel que soit le pays dans lequel on est, ils ont besoin d'être sûrs qu'ils vont récupérer tous les mois la contrepartie. En fait, l'argent qu'ils vous ont remis, les mensualités vont rentrer tous les mois sans qu'il n'y ait de problème, en fait. Ils ne veulent pas savoir si vous avez reçu votre loyer ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est aller prendre leur part du gâteau avant même que vous ne gagniez de l'argent. C'est ça. Donc, après... En fait, faut pas oublier que, excuse-moi, je te coupe, mais faut pas oublier que la banque, elle a un intérêt à financer. Enfin, je veux dire, elle va pas prêter de l'argent gratuitement comme ça. Comme je disais, c'est relation gagnant-gagnant. Donc oui, certes, ils vont demander, c'est sûr, d'avoir les revenus locatifs qui tombent sur les comptes. Après, tu n'es pas forcément obligé d'avoir ton salaire, mais s'ils voient que tu as des salaires, parce qu'ils vont demander des documents quand tu vas au rendez-vous, trois dernières fiches de paye ou autre, enfin, tes bilans, si tu es à ton compte, il faut ramener tes bilans, etc. Donc, ils veulent s'assurer déjà que tu as une situation saine. Et ensuite, c'est vraiment les loyers. Enfin, si tu empruntes un crédit pour un investissement locatif, bien sûr, les revenus locatifs, il faut qu'ils tombent chez eux. Tu vois, ça reste toujours du gagnant-gagnant. Donc, moi, je parle beaucoup pour les Africains en ce moment. Oui, tout à fait, vas-y. Le truc, c'est que beaucoup d'Africains, ils ont de l'argent, mais ils les cachent dans leur chambre, en fait, sous le matelas. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Et finalement, lorsqu'on se présente devant la banque, parce que les Africains, ils aiment faire un truc, c'est investir en fonds propres. En fait, ils veulent épargner jusqu'à ce qu'ils aient, s'ils ont besoin de 100 000 euros, par exemple, à peu près 65 millions de francs CFA, ils veulent épargner l'argent dans leur chambre et lorsqu'ils ont ce montant, ils vont investir. Alors qu'ils ne savent pas qu'en mettant l'argent auprès de la banque, qu'en épargnant auprès de la banque, ils peuvent récupérer l'investissement tout de suite. Exact. Donc, la banque aussi, elle vous demande ici en Afrique, est-ce que vous avez de l'épargne, quoi? Parce qu'ils m'ont demandé, est-ce que vous avez au moins épargné chez nous? Et la réponse est non. Il dit non, mais monsieur, on va pas vous donner notre argent comme ça. Ouais, c'est justement ce qu'il m'a dit. En fait, tu peux avoir, moi, je sais que j'avais de l'épargne sur des comptes. En gros, quand je suis allée à mes rendez-vous, j'ai montré mes comptes. Déjà, mes trois derniers bulletins de salaire plus l'épargne que j'ai en ma possession. Mais ce n'est pas parce que tu as de l'épargne que tu vas mettre l'épargne dans le projet. Tu vois, c'est deux choses différentes. Moi, ils ont vu que j'avais de l'épargne, mais par contre, dans mon discours, je leur ai dit, voilà, j'ai de l'épargne. Mais par contre, moi, je préfère garder mon épargne pour me sécuriser. Et en fait, il faut toujours avoir un discours cohérent. Tu vois, ce que j'ai dit, c'est que je préfère garder l'épargne pour me sécuriser au cas où s'il y a un locataire qui ne paye pas son loyer, des travaux à rajouter en plus, tu vois, des choses comme ça. Et tu dis, voilà, tu préfères garder ton épargne et vraiment pour rester te sécuriser tout simplement. Et là, le banquier, il voit que tu es cohérente, que tu réfléchis, etc. Donc, en général, c'est passé parce que moi, ils m'ont financé sans que je mette d'épargne sur le projet. Et après, par contre, comme je disais, des fois, ils vont te demander, OK, vous avez de l'épargne, moi, je vais juste vous demander de ramener le compte chez nous, tu vois. Donc, en gros, ils sont rassurés de voir que tu as un livret A ou autre qui va, tu le mets chez eux. De toute façon, toi, ça ne change rien puisque l'épargne est toujours là. Mais ça peut être une contrepartie gagnant-gagnant, tu vois. OK, donc on continue. Il y a Niela qui dit, oui, Miracle Morning, ce livre est juste canon. Donc, ça veut dire qu'elle l'a lu. Moi, je ne l'ai pas lu. Franchement, lis-le. Tu verras. Moi, je vais le lire maintenant. Je pense qu'on va finir. Je vais passer ma commande. Ils vont me livrer le livre. C'est ça. Et tu as cité les autres livres. Alors, aussi pour ceux qui nous écoutent et qui vivent, par exemple, qui ne sont pas en France, j'ai vu les livres comme L'autoroute du millionnaire et Père riche, Père pauvre chez des vendeurs ambulants en Afrique. Sérieux? et la chance, c'est que c'est des livres ici en Afrique qui coûtent combien? À peu près 5 euros. Pourtant, on les achète en Europe pour 27 euros. Donc, c'est pour dire que vous pouvez lire tous ces livres, même si vous êtes en Afrique. Je les ai vus. J'ai trouvé l'autoroute du millionnaire. J'ai trouvé aussi Père riche, Père pauvre.
et dans les rues. Donc voilà, tout le monde peut lire ces livres aujourd'hui. Comme quoi, même si les stratégies marchent en Europe, on peut les appliquer en Afrique. Même s'il y a des livres qu'on lit en Exactement. Europe, on peut les lire en Afrique. On continue. On a l'entrepreneur mindset qui dit hello, hello. Après, il a disparu. On ne sait pas où il est parti. Il a juste dit hello, hello, je suis là, mais après, on ne l'a plus vu. Après, on a Fanny Dardier qui a posé sa question justement. Je pense que c'est il ou elle qui demandait si tu achètes tout le matériel, si tu prends la bosse Internet. Je pense que tu as répondu à cette question. Oui, tout à fait. Et il a augmenté l'électricité aussi. Là aussi, tu as répondu à la question. Il dit d'accord, ça marche. On a Afo qui dit en Afrique, cette stratégie pourrait-elle marcher? Je suis en Gambie. Je pense que j'ai aussi répondu à cette question. Mais oui, normalement, elle peut marcher. Alors, les stratégies comme la colocation qui n'existe pas encore en Afrique, moi, je trouve que c'est des choses qu'on peut ramener en Afrique. Pour la petite histoire, moi, je vis actuellement dans. J'ai loué un T3 ou un T4. On a trois chambres à coucher. On a trois chambres à coucher, un salon, une cuisine, trois douches et un espace pour se reposer. Ouais. Et c'est un immeuble de rapport, comme tu es en train de dire. C'est C'est ça. dans l'immeuble, on a tous les trois pièces qui sont comme ça. C'est-à-dire chacun a trois chambres, un D'accord. salon, et ça coûte excessivement cher. J'aurais par exemple préféré qu'on soit trois ou quatre personnes qui vivent ici et qui se partagent le Bah, loyer. c'est Donc ça. c'est, j'aurais préféré qu'on soit en colocation par exemple, mais Exactement. beaucoup de personnes ne connaissent pas cette stratégie. C'est justement pour ça d'ailleurs que j'ai proposé à Laura de présenter parce que je trouve qu'il y a des choses qui marchent en Europe, qui peuvent très bien marcher aussi en Afrique, mais qu'on ne les utilise pas parce qu'on ne les connaît pas. Donc, on peut tester ça. Moi, je trouve que ça peut marcher. On parlait d'immeubles de rapport. Ici, on a un immeuble de trois, de deux niveaux. Donc, avec une chambre, je pense, il y a six appartements dans l'immeuble. Donc, c'est des immeubles de rapport. Et ça peut très bien marcher. On peut mettre tout l'immeuble en colocation. Bah, c'est Ça ça. pourrait très bien marcher. Ouais, Parce que tout ça à fait. coûte cher de louer tout seul. Je paye à peu près, bon, c'est en Afrique, mais pourtant, ça me coûte bon, c'est pas cher. Ça coûte 50 euros la journée, D'accord. mais pour 30 jours, ça fait quand même 450 Bah, euros, c'est quoi. ça. En Et vrai. si on était trois, je pense qu'on paierait 150 euros chacun et on aurait profité de l'espace. Là, je dors dans une seule des pièces et il y a deux autres pièces qui sont libres. Bah, c'est ça, tu vois. Même pour le Je propriétaire, hein. pense que, voilà. Même Même pour pour le le propriétaire, ça propriétaire, sera il... certainement bah plus oui, rentable ce parce sera qu'il pourrait bénéfique. facturer un peu plus cher, je pense. Exactement. Et après ça, on a Kwame qui dit merci pour cette brillante présentation. Je voulais savoir si ce genre de business pourrait marcher en Afrique vraiment. Comment procéder? On vient de parler de ça il y a quelques secondes. Moi, je pense que ça peut marcher très bien. Moi, par exemple, j'aurais préféré payer avec plusieurs personnes cette chambre. Et comme ça me permet de ne pas payer trop cher. Mais je suis seul parce que personne n'utilise cette stratégie d'investissement en Afrique. Donc, pour la première fois, ça va être difficile de convaincre les gens peut-être, mais si on tombe sur des personnes comme moi, par exemple, qui viennent juste pour faire 2, 3 semaines, plutôt que d'aller payer dans des hôtels où ça coûte 100 euros la journée, il y a des hôtels comme ça, ils vont préférer payer des immeubles, des colocations, par exemple, où ils ont la même prestation. Parce que Exact. là, tu as presque tout ce que tu as dans les hôtels, dans cette location que j'ai actuellement. Donc, ça peut très bien fonctionner. Après, il faut creuser le sujet, il faut faire son premier test, c'est-à-dire trouver un premier bien, essayer de faire de présenter son bien dans des groupes Facebook, etc. De cibler vraiment des voyageurs, des gens qui voyagent. Pas des gens qui vivent dans votre pays, parce que s'ils vivent dans votre pays, ils ont forcément leur maison. On est en Afrique, donc les gens ont leur maison. Donc, je pense que ça peut fonctionner, mais il faut tester. On a Joseph Kofi qui dit merci beaucoup, Nathan, pour ce live. Merci à toi aussi d'être ici avec nous. On a Elias qui dit est-ce possible d'organiser une autre émission pour faire la comparaison avec la législation en vigueur en France et quelques pays africains afin que nous puissions voir quelles sont les réelles opportunités? Alors, je vais relire hein, parce que là, ça m'a. Il dit, est-ce possible d'organiser une autre émission pour faire la comparaison avec la législation en vigueur en France et quelques pays africains afin que nous puissions
voir quelles sont les réelles opportunités. Alors, franchement, je t'avoue que je n'ai pas bien compris. C'est une autre présentation avec Laura ou une Ouais, je autre pense que. présentation avec une autre personne qui comprend la législation Ouais, africaine c'est pour ça. comparer Je pense avec la qu'il législation. Oui, il veut comparer les deux types de législation, mais en France, en Je peux Afrique. inviter un banquier, hein. Je pense que je peux inviter un banquier. Mon banquier qui m'a un peu fatigué la dernière fois à me demander des tonnes de papiers, je pense qu'il pourrait intervenir. Donc, essaie de préciser ta question, s'il te Après, je plaît. pense que c'est peut-être par rapport à la fiscalité, etc. que, enfin, je ne sais pas, mais peut-être que c'est ça. Je sais pas. Donc, Elias, s'il te plaît, il faut essayer de me donner un peu plus de précision et je vais répondre à cette question. On a Ariel qui dit, merci Nathan, merci à l'invité du jour. Mais de Bienvenue à rien. toi aussi et merci d'être ici. Avec On a plaisir. bonsoir. On a merci pour la réponse. On a Chérif, salut la famille. Oui, salut à toi, Chérif. On a, je vois ces méthodes, je vois que ces méthodes sont plus adaptées à l'Europe. Pour l'Afrique, est-ce possible? Joseph, je pense que oui. Tout ce qu'on utilise en Afrique, c'est des choses qui sont venues d'Europe. Et la preuve, c'est que je suis allé voir les banquiers. Moi, comme tu sais, je développe des sources de revenus passifs. Et l'idée, c'était de partir d'Internet et d'investir dans des biens immobiliers. Je suis allé voir la banque et ils m'ont demandé des papiers exactement comme les papiers qu'on m'a demandé en France. Donc, c'est pour dire que même la banque a copié le modèle européen. Donc, nous aussi, investisseurs et entrepreneurs, on peut copier les modèles qui fonctionnent en Europe. Parfois même, on sera les premières personnes. Par exemple, à toi, par exemple, d'aller voir si tu peux louer une villa et la mettre en colocation. Et comme ça sera un bien de luxe, je pense que tu peux attirer un public qui veut ce type de bien et qui ne veut même pas aller dans les hôtels. Et si tu fais un bon travail, tu vas trouver des gens. Si tu présentes bien ton bien, tu vas trouver des gens qui vont louer. Ça, c'est sûr. Après, ça ne sera pas facile et rien n'est facile dans la vie. À Surtout fait. quand ça rapporte de l'argent. Et je pense que c'est une mentalité à faire évoluer là-bas, mais c'est sûr que ça marcherait, parce que comme tu dis, ça va répondre à un besoin. Les gens, ils ne veulent pas forcément payer tout le loyer du logement, donc ça va que les aider et à se diviser le coût du bien, en fait, au final. Voilà, c'est exactement ça. On a Niela qui dit, mon devoir de maman m'appelle, je regarde le replay, bonne soirée. Ciao, ciao. Il y a un Fifali qui dit, bonsoir. Et si j'ai une maison titrée? Voilà, je ne sais pas c'est quoi une maison titrée, mais c'est une belle question. Maison de titre, maison de titre. Est-ce que, Fifali, tu peux nous donner un peu plus de précision? Comme ça, on essaie de répondre à ça. On a fallu, et si j'ai une maison avec titre foncier, est-ce qu'on peut me faire un crédit au Bénin? La maison, elle t'appartient ou elle appartient à qui? Si elle est à toi, tu n'as plus besoin de crédit normalement. Ouais, c'est ça, je comprends pas avec titre foncier. Avec titre foncier, si la maison est à toi, je pense pas que, je pense que tu n'as plus besoin de Non, peut-être crédit qu'elle normalement. veut dire si elle est déjà propriétaire, c'est ça? Est-ce qu'elle peut refaire un crédit, peut-être? Je sais pas. Je n'ai pas compris. Si tu peux Bon, donc on... préciser, Fifali. Je pense qu'elle peut-être qu'elle est déjà propriétaire. Et, en tout cas, oui, pour répondre à la question, même si vous êtes déjà propriétaire. En gros, pour investir, c'est mieux de ne pas être propriétaire, pour ne pas être au taquet, on va dire, au niveau de la capacité d'emprunt, parce que c'est limité en France au moins à 33%. Après, je ne sais pas en Afrique s'il fonctionne aussi comme ça, mais c'est pour ça qu'on Pas conseille ça. vraiment 33% la capacité, le taux d'endettement. C'est pareil, c'est pareil. Pareil, ok. Franchement, c'est juste que lorsque tu ne cherches pas l'information, tu penses, tu ne sais pas. Tu Ok. vois, depuis que moi, j'ai commencé par sonder les banques, par fouiller, par prendre des informations et surtout, ils ont aujourd'hui la chance, moi, j'ai aussi testé le marché européen. Depuis que j'ai les deux marchés, c'est pareil. Tu vas auprès de la banque, on te demande, c'est 33%. Ouais, Tu vois, c'est après, toujours comme ça. ça c'est une base. C'est une base pour le premier. En gros, je dis si tu es propriétaire, faut pas être au taquet à 33%. Et oui, tu peux réinvestir. Donc, le mieux en général, c'est d'être locataire. De toute façon, en général, les investisseurs, ils achètent pour louer avant d'acheter eux-mêmes leur résidence principale. Donc, si tu n'es pas propriétaire, c'est encore mieux, sachant que plus tu vas investir de façon rentable et plus ça va augmenter tes revenus et plus voilà, tu pourrais être apte à encore investir plus gros, plus gros, plus gros, parce qu'en général, ils vont prendre 70% de tes revenus, qu'ils vont rajouter à tes propres revenus. Mais après, la capacité, même les 33%, au bout d'un moment, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des investisseurs qui sont à 45, qui sont à 50%, en fait, mais tant que ça reste rentable et que ton reste à vivre est correct,
Il n'y a pas de souci sur ce montant. 33%, c'est une base en général pour quand tu as ta résidence principale, pour qu'il te reste un reste à vivre convenable. Mais pour répondre à ta question, Fifali, parce qu'elle dit du coup, oui, la maison est à elle. Donc, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Si tu n'es pas à 33%, tu peux continuer d'investir. Il n'y a pas de souci. Tu pourras avoir un crédit, oui. Tu as posé la question, c'est pour avoir un crédit. Okay, et du coup, cool. Elias qui dit, il s'agit effectivement des questions de fiscalité. Donc oui, il faudrait avoir un avocat fiscaliste en Afrique et un avocat fiscaliste en France, peut-être. Pour la prochaine fois. Bon, normalement, un avocat fiscaliste en Afrique, c'est ce qu'il faut. Après, je ne sais pas s'il y a des fiscalistes parce que les avocats ne disent pas je suis fiscaliste, ils ne nous disent pas ce qu'ils sont réellement, mais tous ces services existent en Afrique, ouais. Et on peut trouver des fiscalistes parce que là je cherchais la dernière fois un avocat pour suivre la création d'une nouvelle société ici au Bénin et j'en ai trouvé, donc oui, ça existe. Hein. Après moi j'ai des contacts qui ont déjà investi en Afrique mais plutôt au Sénégal, tu vois. Et je pourrais aussi poser la question par qui ils sont passés au final. Mais c'est sûr qu'il y a des contacts. Ça existe dans tous les pays. Mm. Franchement, les modèles africains, ils se sont tous canalisés ou ils se sont tous mis sur le prototype européen. Ouais. Et parfois même, c'est un pur copier-coller. Même pour le coronavirus, c'est un pur copier-coller. L'Europe, la France a dit qu'il faut confiner tout le monde. Allez, il faut confiner tout le monde en Afrique. sans même donner des aides. La France, ouais, donne des aides. En Afrique, il n'y a pas d'aide. Mais il faut confiner tout le monde. Donc, c'est un peu comme ça. On a Campo qui dit « Merci Laura, t'es au top. De rien, merci à toi. Amel qui dit merci pour la réponse. Campo, belle ta nouvelle bannière. Merci, Campo. Et on a merci pour la réponse à ma question. Elle est à moi. Qui? La maison. Je pense qu'elle la dit. La maison, ok. Parce que là, okay. il s'agit effectivement des questions de fiscalité. Alors, Elias, si tu veux, je vais essayer d'inviter un fiscaliste pour nous parler de questions de fiscalité. Après, je ne sais pas si je vais en trouver au Bénin, mais je vais essayer. Je vais inviter premièrement peut-être mon fiscaliste français et je vais essayer de voir. Demain, je vais essayer de faire des courses pour voir, de courir un peu à gauche et à droite vers ma banque pour voir si je trouve des fiscalistes au Bénin. Et on va voir, on va faire intervenir des fiscalistes. On a, c'est pour avoir un crédit Fifali. Voilà, l'immobilier est un peu développé ici en Gambie. Les agences immobilières pullulent partout. Ouais, c'est ce que moi aussi j'ai remarqué. En fait, quand je vivais au Bénin, je n'étais pas du tout entrepreneur, etc. Mais je ne voyais rien. Aujourd'hui, on dit quand tu deviens entrepreneur et investisseur, tu ne vois que des opportunités. Mais c'est comme ça, tu ne vois que les services. À chaque fois que je sors, je croise sur une distance de 100 mètres plus de 4 agences immobilières ici au Bénin. Mais pourtant, avant, je ne les voyais pas, tu vois. Pas. Bah oui, c'est ça. Non, mais même quand tu n'as pas les connaissances, tu ne vois pas. J'ai dit, quand tu n'as pas les connaissances de la chose, tu passes à côté, tu ne vois rien. Alors que quand tu sais, tu as les connaissances, tu vois tout, en fait. C'est ça, exactement. Donc, c'est même dans le domaine du business en ligne, quand tu ne comprends pas comment gagner de l'argent sur Internet, tu ne vois aucune opportunité. Mais c'est dès ça. Que tu te lances, dès que tu ne commences pas à comprendre, tu vois que des opportunités. Donc, les agences immobilières dans tous les pays, ça existe. C'est comme les comptables, c'est comme les avocats fiscalistes, c'est comme les immobiliers, c'est comme les immeubles, c'est comme les maisons à louer, ça existe partout. Après, il faut adapter, il faut créer, parfois il faut créer de nouveaux business models, parfois il faut changer le comportement des consommateurs parce que exactement. L'immobilier aussi, c'est un produit qu'on peut consommer. Et si par exemple la colocation n'existe pas dans ton pays, tu peux tester le marché, tu peux prendre un grand espace et proposer de la colocation et pouvoir, je pense que ça va fonctionner. Moi, je trouve que ça va fonctionner. On a Afo qui dit, semblerait-il qu'il y a une époque de l'année où les locations sont pleines à craquer? C'est la saison du tourisme août-janvier. Bon, la saison du tourisme, alors moi, je réponds pour moi, mais après, Laura va vous dire. La saison du tourisme, ça dépend des pays, en fait. Au Bénin, ça peut être, par exemple, de août à janvier, mais ça peut être aussi une autre belle période. Ça dépend de, par exemple, au Bénin, les gens préfèrent venir au Bénin quand ils peuvent aller au parc de la Pandjari. Mais depuis que la France a mis
un drapeau jaune sur le Bénin à cause des deux personnes qui ont disparu au Bénin. Je pense que les touristes ont été un peu baissés. Mais les gens viennent beaucoup plus au Bénin pour aller voir le parc de la Pendjari parce qu'il y a des animaux qui sont laissés à eux-mêmes et que les gens peuvent les voir. Donc, Laura, toi, tu nous dis, tu as des informations par rapport à ça? Ouais, par rapport au... C'était quoi la question par rapport Mais, à il l'éducation? semblerait-il qu'il y a une période de l'année où les locations sont pleines à craquer, c'est la saison du tourisme août-janvier. Bah après, en France, en tout cas, oui, c'est quoi? Ça commence dès le mois, on va dire, de... En tout cas, pour les colocations. Enfin, je vais reprendre le truc dans l'autre sens. En fait, quand on investit en colocation, en général, moi, je sais que je ne base pas mes calculs sur 12 mois pleins. Mes calculs de rentabilité, je vais les baser sur 11 mois ou des fois même 10, tu vois, pour voir, pour que ce soit rentable comme ça. Parce qu'on compte toujours de la vacance locative, sachant que ça va comment dire, diriger vers les étudiants ou autres. Donc, je compte toujours 2 mois de vacances locatives. Donc, ça, c'est sûr. Et par contre, en juillet et août, moi, ce que je fais, c'est que je le mets en location courte durée, mais plus ou moins longue. En fait, je vais me mettre sur des périodes de 15 jours pour pas avoir à trop gérer, parce que moi, je n'ai pas de gestion. Enfin, je n'ai pas envie de gérer spécialement. Donc, je vais mettre en Airbnb juillet, août, quand, bien sûr, la colocation est vide. Donc, ou quand c'est un projet, tu vois, tu as fait les travaux et ce n'est pas encore loué pour septembre, et tu as juillet, août, c'est vide, parce que. Il faut bien sûr que ton bien il soit totalement vide pour faire ça. Donc, ça arrive. Après, en France, ben, la saison, ça va dépendre de la région dans laquelle tu es. J'ai envie de dire, si tu es dans le sud, tu peux toujours avoir des locataires. Voilà, il y a des gens qui. Il y a même des vacanciers qui vont louer des biens en colocation. Donc, on va dire, c'est un grand Airbnb. Tu vois, tu peux louer l'appartement tout entier. Ou après, si tu restes sur des studios, on va dire que le pic, à mon avis, c'est de mai à septembre. Je pense, hein. Ça dépend des saisons, mais pour que tu loues, c'est ouais, l'été en fait, hein, pendant l'été, printemps-été, tu vois. Après, ça dépend vraiment du lieu où tu investis, hein, parce que ça ne va pas être la même chose. Non, c'est ce que je dis, ça dépend de tous les pays. C'est C'est ça. chaque pays a ses moments d'affluence qui sont C'est ça. totalement différents. Donc, à toi de voir un peu avec le pays dans lequel tu souhaites investir, je pense. Après, on a, je vois, Elias qui dit qu'il s'agit effectivement des questions de fiscalité. L'immobilier est un peu développé ici en Gambie. Les agences immobilières pullulent partout. On a dit ça. Bonsoir depuis l'Allemagne. Bonsoir, monsieur l'Allemand. Bonsoir. Wie geht's? Je parle allemand maintenant. J'ai dit Wie geht's? Après, on a. Ok, merci de Fifali. Et après, on a Souradji qui dit c'est bien, Laura. Moi, je vise investir au Sénégal après la Gambie. J'aurai besoin de tes contacts le moment Il venu. n'y a pas de souci, il n'y Bah, a pas de souci. je pense que Laura a donné ses contacts. Après, je mettais les liens de Laura, de sa page Facebook, dans la description du live qu'on va laisser sur la chaîne. Donc, si vous voulez les contacter, si vous voulez contacter Laura, vous pouvez regarder dans la description. Voilà, ce sera le premier lien, les premiers liens que vous allez voir dans la description. Après, il y a Elias qui dit cool, Nat, merci d'avance. Donc, c'est fini, il n'y a plus de questions. Et généralement, quand il n'y a plus de questions, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le live. Et là, on a fait 1h24. Donc, Ouais, quand après, même. si vous n'avez plus de questions, ben, on ne va pas se regarder comme ça, hein. On va juste arrêter le live. Mais après, si jamais vous avez Donc, des on questions attend autres, quelques minutes. voilà, s'il y a des questions qui viennent après, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter bah, sur Instagram, Facebook ou autre, il n'y a pas de problème. Mais si là, il n'y a plus de questions en direct, oui, on va peut-être arrêter. Ouais, ben, on attend quelques minutes, Oui, il n'y a peut-être. pas de On souci. attend Mais en tout cas, il faut quelques vraiment vous dire minutes que c'est et. possible. Enfin, il faut vraiment se dire ça, c'est possible. Il faut vraiment juste avoir les connaissances. Moi, je ne pensais pas Ah, apprendre ça. c'est Hein? un peu le but de ma chaîne parce que au départ, je faisais mon business tranquille dans mon coin. Personne ne savait que j'existais. Personne, et ça marchait, je vivais de mon activité. Après, je me suis dit, ben, il faut dire aux gens que c'est possible parce que je reçois énormément de questions de la part des lecteurs de mon blog, de la part des amis, même sur Facebook, qui me disent, mais c'est pas possible, c'est une arnaque. Je dis, non, mais c'est pas possible.
C'est pas vrai, c'est possible. Si, je le fais. Du coup, je me suis dit, bon, OK, plutôt que d'être caché derrière un blog où personne ne sait qui parle, personne ne voit qui parle, bon, OK, je mets une caméra devant moi pour vous dire c'est possible. Non, mais c'est Donc, c'est super, possible hein. dans tous les pays, je trouve. Après, en général, les gens qui disent ça, c'est le manque de connaissances, en fait. C'est l'ignorance qui fait dire que oui, c'est pas possible. Exactement. Donc, ouais. Il faut vraiment se Que former. Ce soit l'immobilier. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, en fait. Ouais, dans tous les domaines. Donc, toi, comme je disais, Que faut ce être soit au contrôle. l'immobilier, la bourse. Ouais, tout à fait. Il faut maîtriser. En fait, la clé, c'est se former, maîtriser et passer à l'action. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. C'est comme hier ou ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me dit, parce que moi, j'ai fait les finances internationales jusqu'au niveau master, et Ouais. la personne me dit, mais c'est un ami hein, du campus, c'était Meshack d'ailleurs, je ne savais pas si c'était lui, Pro Marketing TV. Donc, il me disait, parce qu'on a fait le campus ensemble, lui et moi, et on se disait, ben, au campus, les professeurs nous parlaient d'actions, d'obligations, Ouais. de bourses. Mais pourtant, ils ne nous ont jamais montré comment on achète une action pour de vrai. Du coup, aujourd'hui, nous, si on va devant eux, on dit, ben, on a un portefeuille boursier, ben, comment on achète une action? Si on le fait ça, ils vont dire, ben, non, on vous a enseigné ça juste parce qu'on l'a lu. Et le plus important, ce que je veux dire, c'est que pour se former aujourd'hui, il vaut mieux aller vers ceux qui passent à l'action C'est ça. et qui ont des résultats, plutôt que d'aller vers des gens, des théoriciens. Parce qu'il y a des théoriciens, des professeurs d'université, des enseignants, comme on le connaît, c'est des purs théoriciens. Et ils ont juste lu l'information, ils savent que ça marche, etc. Mais en vrai, ils n'ont pas testé. C'est par exemple l'immobilier, on va te dire, ben, il faut avoir des biens, tu peux les mettre en location. Surtout en Afrique, on connaît une seule stratégie en immobilier en Afrique. Et tu peux juste avoir une maison et tu la mets en location. Et quand il n'y a personne dedans, elle est vide. Pourtant, il y a plusieurs stratégies pour rentabiliser un bien immobilier. Et ça, il faut voir avec ceux qui pratiquent ça pour comprendre comment ça se passe et surtout avoir le courage de proposer ce type de location dans un pays où ça n'existe pas encore. Parce que c'est difficile aux gens, lorsqu'ils n'ont pas ce mode de consommation, de passer à l'action. Mais après, quand ça prend, ça a pris et tu es le premier à proposer et parfois tu as tellement de clients que et que tu peux même former d'autres personnes à ta C'est ça. stratégie Bah oui, finalement. tout à fait. Mais ce que tu dis, Et c'est c'est totalement l'avantage vrai. d'être seul dans un marché. Ouais, tout à fait. Mais ce que tu dis, c'est vrai, il faut vraiment aller parler aux personnes qui ont déjà fait ou qui ont déjà la situation où vous voulez aller, parce que ce sera vraiment, ce sera pas des théoriciens, c'est des gens qui sont passés à l'action et qui ont ce que vous voulez. Donc c'est vraiment vers les personnes vers qui il faut se diriger. Après, c'est sûr qu'à l'école, etc., il n'y a pas de cours. Enfin, il n'y a pas de cours sur l'éducation financière. Du coup, c'est vrai que c'est la société qui fait ça, qui fait qu'on n'est pas au courant de comment on peut utiliser le crédit, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à justement se former, soit en lisant des livres, en côtoyant des personnes qui ont déjà investi, et vraiment pour avoir connaissance des choses, en fait, hein. Ben, c'est ce que moi aussi je fais depuis quelques années. Ouais, tu as des résultats, tu vois. Donc, il n'y a pas de secret, finalement. Exactement, ouais. Aujourd'hui, on peut suivre beaucoup de personnes, même sans dépenser le moindre euro, avec les chaînes YouTube, avec les blogs, avec donc aujourd'hui, je pense que on est à une époque où de s'enrichir ou gagner beaucoup d'argent, c'est facile parce que avant, les riches d'avant ne partageaient pas autant d'informations. Tu vois, ils gardaient l'information Ouais, c'est pour eux vrai. et il y avait seulement un cercle de personnes qui savaient comment gagner beaucoup d'argent et qui, de génération en génération, se filaient l'information en douce. Aujourd'hui, c'est grâce à la formation en ligne et tout ce qu'on a aujourd'hui, bah, les Ouais. gens expliquent librement ce qu'ils font. C'est Et ça. parfois, même le fait d'écouter quelqu'un, c'est un peu comme la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Le fait d'écouter quelqu'un t'ouvre l'esprit et te montre qu'il y a des opportunités à côté. Et plus tu suis des gens qui ont du succès, et plus toi aussi, tu passes à l'action. Tu vois. Exact. Donc, il y Exactement. a Campo qui dit on peut avoir le nom de tes différents réseaux. Je pense qu'il parle de tes groupes Facebook, Oui, compte faut Instagram. taper Laura Prudent. Vous tapez Laura Prudent sur Facebook, vous retrouverez. Il y a le groupe Facebook aussi de 0 à 24 sources de revenus en moins de 18 mois grâce à la colocation. Et sur Instagram aussi, pareil, Laura Prudent ou Invest Imo. Vous me retrouverez là-dessus. Alors, encore une question pour toi. C'est Laura, savais-tu avant que tu serais
un jour entrepreneur, peux-tu nous faire une petite histoire de ton mindset avant et dernière question, as-tu une chaîne YouTube? Ah bah la question que je t'ai posée, elle est venue Ouais, finalement, c'est tu vois. ça. Alors, du coup, non, j'ai pas Donc tu encore de... devrais. Ouais, je vais en faire une. Donc ce soir tu nous crées ta chaîne. Mais en plus, le pire, c'est qu'elle est déjà créée, hein. J'ai une chaîne, mais elle n'est pas encore active, en fait. Je n'ai pas mis de contenu dessus. Mais oui, j'ai une chaîne. D'ailleurs, je crois que c'est Bah Laura tu Prudent. vois. C'est Laura Prudent, mais je n'ai pas encore de contenu. Mais ça va venir pour la chaîne. Et par rapport à mon parcours, non, je pensais vrai. Franchement, j'étais loin d'imaginer que j'allais devenir investisseur immobilier. C'est vraiment le jour où ma sœur, elle m'a offert ce livre que ça a complètement changé ma vision. En fait, si je n'avais pas lu ce livre-là, bah, franchement, j'aurais pas pu devenir investisseur. Donc après, c'était comme je disais, c'était l'acceptation. Enfin, j'étais dans un contexte où déjà, en plus, à l'époque, j'étais plutôt axée sur résidence principale, etc. J'avais ma résidence principale. Je n'étais pas du tout dans le mode investisseur. Donc, et dès lors que ma sœur m'a présenté ce livre, bah, là, j'ai complètement changé ma vision, ma direction. C'était vraiment un choix à faire, mais c'était soit voilà, je restais dans ma situation actuelle, soit je prenais un risque, parce que bien sûr, quand j'ai découvert tout ça, je ne savais pas que si c'était vrai ou faux. On a toujours un moment de doute. On se dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte dans le livre? Est-ce que ce n'est pas mensonger, tu vois? Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Enfin, j'ai voulu y croire, en fait. Bien sûr, ça commence par d'abord y croire. Donc, j'y ai cru. Et ensuite, je me suis renseignée et c'est là que j'ai rencontré. D'ailleurs, à la fin de ce livre, vous allez voir, il y a un groupe que vous pouvez rejoindre sur Facebook. D'ailleurs, Alors, c'est quoi le livre d'ailleurs? Parce que tu nous as présenté plusieurs livres. si, je l'ai dit, c'est Adieu patron de Romain Cayet. Adieu patron, Patron, ok, ouais. ouais. Je connais Romain par Cahiers. Et au départ, ma chaîne s'appelait Au revoir, patron. Et à Ouais. chaque fois, je faisais la comparaison avec. Ouais. Mais du coup, tu vois, à la fin de ce livre-là, tu peux rejoindre un groupe d'investisseurs. Je pense que c'est toujours le cas. Et c'est là que j'ai commencé à rejoindre le groupe. J'ai posé des questions aux gens qui avaient déjà fait les choses. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était possible. Et à ce moment-là, de fil en aiguille, je suis tombée sur un profil d'un investisseur qui formait les gens à investir. Et du coup, voilà, je suis tombée sur son profil. J'ai été lui parler. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être curieux et aller vers les gens. Donc j'ai été lui parler, on a eu un entretien téléphonique, je lui ai demandé bah, qu'est-ce qu'il proposait. Et là, il me dit, voilà, je suis 2 jours sur Paris, parce qu'il venait du sud, tu vois. Il me dit, voilà, je suis 2 jours sur Paris, si tu veux, pour former. En fait, je vais faire une formation sur l'immobilier. Et il m'annonce un tarif, parce que bien sûr, ce n'était pas gratuit, c'était payant. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, voilà, j'ai cette opportunité-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je ne savais pas vraiment qui c'était cette personne, parce qu'à l'époque, on était en 2017, ce n'était pas vraiment, tu vois, comme aujourd'hui, on voit tout le monde sur les réseaux, etc. Et je me suis dit, mais voilà, je vais prendre le risque. En gros, c'était une décision, un choix que j'ai fait. C'était soit je faisais rien et je restais dans ma situation, soit je prenais le risque d'investir sur moi pour aller à cette formation et apprendre des choses. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce risque. Et je ne suis pas du tout déçue parce que c'est grâce à cette formation que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ça. Il faut vraiment vous bah, prendre les devants, vous former, aller de l'avant, y croire et vraiment vous renseigner pour bah, justement après mettre les choses à passer à l'action en fait en mettant les choses en place hein, tout simplement, en étant toujours au contrôle. Donc étape indispensable, la formation. Oui, c'est justement, même dans le business Internet, hein, en fait, parfois, les gens qui nous suivent et qui nous écoutent ne savent pas qu'à un moment donné, on était comme eux. Le problème, c'est que moi aussi, quand j'ai découvert Internet, bah, je me suis dit, non, c'est une arnaque, ce truc. Et aujourd'hui, quand je vois les gens m'écrire, me disent, non, c'est une arnaque ce que tu dis, ça me fait rire. Moi, ça me Ben fait rire. oui, Je dis, OK, il ouais. n'y a pas de souci, parce que à un moment donné, C'était moi comme aussi, eux. j'ai dit ça d'une autre personne. Je me suis dit, ben non, c'est une arnaque. Ce n'est pas vrai qu'on va gagner de l'argent sur Internet. Et c'est pareil pour l'immobilier. Il y a tellement de stratégies que lorsque tu n'as jamais testé, je pense que tu te dis, mais non, ce n'est pas vrai ce que les gens Ouais, exact. racontent. Et justement, il faut avoir le courage de tester, d'échouer parfois, de se relever, de retester, de rééchouer. Et puis, à un moment donné, quand ça va prendre, tu auras une belle histoire à raconter. Et voilà. C'est toujours Exactement. comme ça. Exact. Il y a Elias qui dit, c'est là l'échec du système éducatif. Oui, malheureusement, c'est l'échec du système éducatif, c'est de ne pas enseigner aux gens que lorsqu'ils vont finir leur formation normale, qu'ils ne vont pas trouver de boulot, donc il faut apprendre à gagner de l'argent.
Je ne sais même pas si c'est un échec. Hein. C'est pas un échec. Je pense qu'ils font exprès, tu vois, de ne pas dire ça à tout le monde parce que... De les cacher gens, l'information, après, justement. C'est ça, exactement. C'est... Je ne pense même pas que... Parce qu'après, comme ça, on peut travailler, on peut tous travailler pour eux. Exact. Et comme ça, ils sont tranquilles. Exactement. Donc, oui. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que même si le système éducatif a des failles, tu peux aujourd'hui, grâce à YouTube... au blog, à des formations, suivre d'autres personnes qui ont des résultats. Après, il faut avoir le courage de croire que ce qu'on dit n'est pas une arnaque et tester soi-même jusqu'à ce que tu aies des résultats. Comme ça, tu peux valider que c'est une arnaque ou pas. Et ce que moi, j'ai fait, c'est justement ça. Je me dis, bon, OK, moi, je sais que ça marche sur Internet. J'essaie de tester des choses et de faire sur mon blog, de présenter le bilan de ce qui marche. Et de laisser de côté ce qui ne marche pas. Comme ça, les visiteurs, ils ont ce qui marche à coup sûr et ils n'ont qu'à travailler pour avoir des résultats. Mais même quand tu fais ça, il y a des gens qui vont te dire non, tu es un arnaqueur. Donc, il faut avoir le courage de tester soi-même et comprendre les résultats. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire ma formation en immobilier, on m'avait dit voilà, tu vas aller à la banque, tu peux ne pas mettre d'apport. Déjà, moi, je pensais que ce n'était pas possible, tu vois. Pas mettre d'apport, il y a des stratégies qu'on m'a expliquées pendant la formation, tu vois, et je n'avais pas connaissance de ça. En fait, c'est vraiment en passant à l'action, en allant voir la banque, j'ai vu que voilà, j'ai demandé, parce que ça aurait été quelques années avant, dans mes rendez-vous bancaires, je n'avais pas les informations, les questions à poser, tu vois. Et après, quand j'ai fait mes rendez-vous bancaires avec, en étant consciente, en ayant des connaissances, bah, j'ai posé les bonnes questions et j'ai vu que le banquier me disait oui, c'est possible, oui, c'est possible. En gros, j'ai vu que c'était possible, tu vois. Donc, c'est vraiment le manque. Ouais. Les banquiers, ils ont toujours... en fait, ils ont les bonnes questions et les bonnes réponses, exact. Mais ils ne te le disent pas. Non, ils te piègent, ils te jettent, ils te laissent de petits pièges. Et quand tu tombes dedans, tu dis non, votre projet ne passe pas. Mais quand tu es averti, par exemple, moi, quand je discutais avec mon banquier, quand il a fini de me parler, il a dit, OK, ben, vous êtes en train d'utiliser uniquement le système français, il n'y a pas le système africain. Il m'a dit, ben, vous venez de France. Et dit, bah non, je connais le système français justement. Je sais que c'est 33%. Je sais. Donc, je cherche le système qui marche vraiment adapté au modèle économique africain du Nord. C'est le seul système qu'on a. Donc, il a tout de suite compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui est informé, qui savait un peu ce qu'il voulait, il savait où il allait. Tout à fait. Mais bon, il ne pouvait rien parce que le système est câblé sur ce qui a été écrit et lui ne pouvait rien faire autrement. Donc, il y a Campo qui dit toujours merci à vous, vous êtes inspirants, vous deux. Merci à toi. Et moi, je ne suis pas inspirant en immobilier, je ne connais rien pour le moment. Ouais, mais tu es inspirant sur une autre thématique, tu vois. C'est chacun son domaine. Ouais. Et en plus, c'est bien. Franchement, il faut avoir de tout. Tu vois, moi, je n'ai pas forcément de business en ligne, mais il faut que je m'y mette aussi à un moment donné. Je pense qu'il faut diversifier, avoir un peu de chaque chose. Pour être tranquille au final, quoi. Enfin, Ouais, moi, c'est aussi l'étape suivante. Mais moi, comme je t'ai dit en privé, je suis actuellement sur de l'investissement immobilier en Afrique parce que les banques en Europe me causent beaucoup plus de problèmes parce qu'on me demande une nationalité, on me demande des choses pour être certain que je ne vais pas prendre un crédit de 100 000, 200 000 euros pour disparaître, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, plutôt que d'attendre d'avoir tout ce qu'on me demande, bah, autant commencer là où tu peux commencer. Il faut avoir un peu de tout et c'est ce qui garantit la liberté financière à 100%. Exact. Après, on en parle comme ça, parce mais il faut que... dire que c'est quand même du travail. Enfin, c'est quand même du travail. Il ne faut pas se mentir. C'est vraiment du travail. Comme je disais, ça peut être très long. Il faut rester persévérant. Il faut rester motivé. Il ne faut pas se décourager vite parce que sinon, il y en a beaucoup qui abandonnent. Donc, mais il ne faut pas se dire que c'est simple. Ce serait mentir de dire que c'est facile. Mais avec de la persévérance et un acharnement, on peut très bien atteindre les objectifs. C'est possible avec de la détermination, en fait. Ben, je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile de trouver un boulot, quand bien même c'est difficile d'en trouver un. Ouais. C'est beaucoup plus facile de trouver un boulot que de se lancer dans des business et de se faire son salaire et de se faire le même revenu que quelqu'un qui touche un salaire. C'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, à chaque fois que c'est beaucoup plus compliqué, lorsque tu arrives, tu es totalement libre. En fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Sur Internet, ce n'est pas facile d'atteindre de zéro et de faire les 100 premiers euros. C'est pas facile d'atteindre les 1000 premiers euros ni les 2000 premiers euros. Mais une fois que tu as atteint ces paliers, tu es totalement
Tu as une liberté que les autres n'ont pas. Tu es fier d'avoir accompli tout ce parcours et tu te dis, bah, c'est bien parce que je l'ai fait. Et surtout, moi, par exemple, avec le coronavirus, je vois que je me suis dit, mais si je ne l'avais pas fait, quoi. Parce que Ouais, là, c'est ça. je suis rentré au Bénin et on a confiné tout le monde est en train de dire, on n'a plus d'argent. Mais C'est ça. je vois même que mes revenus sur Amazon, etc., progressent parce que les gens sont confinés, mais ils peuvent acheter sur Internet. Tout à fait, tout Tu à vois? fait. Tout Donc, à ils fait. achètent. Et là, tu es content d'avoir réalisé le parcours. Et tu te dis, bon, maintenant, je vais encore faire beaucoup plus d'efforts parce que si l'autre crise vient, il faut que je sois encore là. Tu vois? Exactement. Et tu vois, par rapport à l'immobilier, pareil, bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en location courte durée qui ont souffert un peu. Tu vois, en colocation, c'était mitigé. Moi, personnellement, les locataires, ils ont passé le confinement dans la colocation. Je sais qu'il y a d'autres personnes bah, qui, malheureusement, des locataires sont partis plus tôt ou autres. Tu vois, ça peut arriver. Mais il faut se dire que, étant donné que j'avais bah, toutes les connaissances pour investir enfin, de façon sereine, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour ne pas me retrouver en difficulté. En fait, ça veut dire que là, pour bon, moi, j'avais mes locataires dedans, mais d'autres amis investisseurs avaient mis en place tout ce qu'il faut pour ne pas être en difficulté. Donc, malgré le fait qu'il n'y avait pas de locataires ou autre, bah, on avait quand même une certaine trésorerie qui nous a permis de, bah, d'assurer les mensualités, etc., etc. Tu vois, d'où l'importance d'être formé, de ne pas passer à l'action comme ça, sans formation, parce que du coup, il y a plein de petites choses à savoir. Mais une donnée qui manque, ça peut faire une grosse erreur, par la suite. En fait, ça peut coûter très cher, tu vois. Ok, c'est parfait. Non, Voilà, mais je pense qu'il y a plus ouais. de questions, mais Tout à malgré ça, on a fait. encore 11 personnes qui C'est sont ça, en c'est ligne. bien, hein? C'est Alors, si cool. vous avez des questions, on va bien, on va bien rester, on va bien vous répondre. Moi, ça me plaît bien. Moi, Ouais. je peux rester ici. Mais juste. Même si le est pas, elle nous laisse, il n'y a pas de souci, je suis là. Par contre, si vous n'avez pas de questions, nous aussi, on va aller profiter, on va se promener. Après, si je veux Et dire voilà, donc. un autre truc, c'est vraiment, enfin, faut pas compter que sur son salaire, comme tu as dit, avec le coronavirus et tout. Ben, ceux qui sont passés au chômage partiel, ils se sont retrouvés en difficulté. Faut vraiment ben, diversifier ses sources de revenus. Et du coup, avec l'immobilier, le business en ligne, etc., il y a tellement de choses à faire qu'il ne faut pas hésiter à se constituer plusieurs sources de revenus, justement, pour être à l'abri, mettre sa famille à l'abri en cas de crise comme ce qui vient de se produire dernièrement, en fait. Mais par contre, moi, j'aimerais ajouter un petit truc, c'est que à chaque fois qu'on va se lancer dans un nouveau business, il y aura un challenge. Que ce soit en immobilier, sur Internet ou ailleurs, il y aura un challenge, il y aura beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi il faut choisir une première stratégie, Tout à la fait. mettre en place, avoir ses premiers résultats avant de passer à une autre stratégie. Parce Exact. que c'est. Si vous lancez tout de suite dans l'immobilier, dans Internet, dans Dans la un bourse, coup de cœur, etc., à un moment donné, je pense c'est que ça. vous allez vous retrouver à Bah, l'hôpital tout c'est seul. ça. Exactement. C'est vrai que tu fais bien de reprendre parce qu'en fait, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est vraiment bah, choisir une stratégie. Y aller vraiment, bah, mettre en place les choses pardon, jusqu'à ce que vous deveniez expert. Donc vraiment, bah, si c'est l'investissement, donc faites plusieurs investissements. Une fois que c'est contrôlé, que vous maîtrisez la chose, vous passez à autre chose, mais pas avant. Donc c'est vraiment important. Il ouais, ne faut pas partir dans tous les sens, sinon en fait, vous n'allez rien atteindre comme objectif. Il faut vraiment se définir Voilà. un objectif, mettre tout en place pour atteindre cet objectif. Une fois que c'est stabilisé, vous passez à autre chose. Voilà. Moi, mes objectifs avec toujours, par exemple, quand j'ai commencé, je me dis, bah, je me fais 100 euros avec cette stratégie. Comme ça, je sais que ça rapporte 100 euros. Et après, peut-être, je pars ailleurs ou je me fais, là-bas, j'avais vite monté là-bas à 500 euros, par exemple, parce que je fais de l'affiliation. J'ai des plateformes, des gens à vendre des produits, etc. J'utilise des commissions. Donc, à Ouais. chaque fois que je me lance sur une plateforme, je me dis, avec celle-ci, tu dois d'abord atteindre 500 euros de revenus par mois sur 3 mois avant de changer de plateforme. Tout à fait, ouais. Sinon, tu ne vas pas ailleurs. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec Amazon, je fais entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Avec d'autres plateformes, je suis entre 500 et 800 euros par mois. Mais si je devais, dès le début, choisir 5 plateformes pour me lancer, je pense que je ne ferais C'est rien pas du tout. possible, c'est Je pas vais me possible. perdre et je vais perdre mes objectifs parce que je serai beaucoup stressé et je vais me retrouver dans un burn-out d'entrepreneur. Donc, voilà.
C'était juste une parenthèse, mais oui, il faut diversifier ses sources de revenus. Moi, par exemple, je commence l'immobilier. Voilà pourquoi j'ai invité Laura pour mieux comprendre aussi comment ça se passe. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, ils sont encore 11 plus nous deux, ça fait 13 en ligne. Donc, on va couper le live si vous n'avez plus de questions. Donc, on va compter jusqu'à 3 s'il n'y a plus de questions. Par contre, il y a un léger retard par rapport à ce qu'on se dit Ouais, c'est ça, et le dans le live. ouais. Donc, on attend quelques minutes et on voit s'il y a pas de questions, on va pouvoir arrêter. En tout cas, c'était un En plaisir tout de cas, pouvoir merci à échanger. toi. De rien, merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous et partager mes connaissances. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu assister à ce live. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Espérons qu'on motive beaucoup de personnes à se lancer dans C'est le la but. colocation C'est le et but. surtout qu'on inspire aussi les gens en Afrique à mettre en place ce type de business Ouais, qui tout à fait. peut-être n'existait pas. Et on a un nouveau bonsoir, quelqu'un qui vient d'arriver. Il arrive à la Oui, fin. bonsoir à toi, Always Try. Je viens de découvrir votre plateforme. Oh, merci. Il y aura le replay. De toute façon, ils pourront regarder le replay toujours. Donc, merci d'être avec nous, mais on est presque à la fin. Il y aura le replay sur la chaîne et tu pourras regarder. Ce sera un plaisir de t'avoir pour les prochaines fois parce que tous les samedis, j'ai un live de 19h à 20h, 20h30, 21h environ. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, Ouais, je pense que Laura, c'est bon. c'était un plaisir. Mais merci à toi. On va se dire à très bientôt. On continue les discussions sur Facebook. Si Très j'ai des bientôt. questions, parce que je reviendrai de toute façon. N'y a pas de souci. Et ce fut un plaisir de t'avoir avec nous ici. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Allez, je vais couper. Un, deux. Attends. Au revoir Donc, tout le un, monde. deux et trois. Ciao. Bye bye. Bye.